S'affranchir de ces démons lorsque l'on a vécu dans l'illégalité et la violence est une démarche difficile. Les trois hommes dont vous allez découvrir l'histoire ont eu deux vies. Après avoir grandi dans un environnement de brutalité et de haine qui les a entraînés sur la mauvaise pente, ils ont su inverser le cours de leur existence. À la faveur d'une prise de conscience, après l'intervention d'un tiers ou grâce à un événement déclencheur, ils ont radicalement changé de comportement et de façon de penser. Leur courage et leur détermination les a sauvés et leur a permis d'accéder à la paix et à la rédemption, au point même de mettre leur expérience au profit des autres. J'ai voulu comprendre ce qui a poussé ces hommes à prendre ce tournant radical pour finalement lutter aujourd'hui contre ce qui les définissait hier. Comment peut-on vivre lorsqu'on a un passé chargé de violence, parfois avec des victimes innocentes sur la conscience? Comment s'inventer une nouvelle vie lorsqu'on n'a connu que la haine? Comment convaincre les autres qu'on a réellement changé? David est musulman, il se bat aujourd'hui pour dénoncer les dérives de l'islam radical. Pourtant, il a été lui-même l'un de ces djihadistes prêts à se faire exploser pour la cause. Après son entraînement en Afghanistan, David revient en France et se fond dans la masse. À ce moment-là, je dors djihad, je mange djihad, je travaille djihad. Parce que mon objectif, c'est d'être efficace. Mais personne ne le sait, tout est cloisonné. Karim est un ancien braqueur. Aujourd'hui, il est devenu une référence dans le combat pour la prévention. Les politiques, les associations ou les grandes écoles font appel à lui. Il a tourné le dos à la criminalité après avoir été condamné à 10 ans de prison pour homicide. Un passé sombre qui aurait pu lui coûter la vie. Aujourd'hui, je ne me bats plus pour ma survie à moi. Je me bats pour un combat qui me dépasse et de loin, puisque je veux me servir de mon parcours pour aider d'autres jeunes. Donc maintenant que mon combat me dépasse, je me sens plus en paix. William mène une vie monastique dans un temple hindou en Normandie. Il prône l'amour de son prochain. Une philosophie aux antipodes de l'ultra-violence qui était son quotidien dans les années 80. À Paris, William était une figure emblématique du mouvement skinhead. Tu sais, quand je frappais quelqu'un, et quand j'ai commencé à aller vers l'amour, vers cette bataille de l'amour, alors j'ai réalisé avant que j'étais un lâche. Parce que frapper quelqu'un, c'est facile. Mais retenir la frappe et aimer quelqu'un qui se moque de toi, ça c'est très difficile. Et ça, c'est le vrai combat. Aujourd'hui à Sciences Po, les étudiants vont assister à une conférence. Le sujet d'aujourd'hui tourne autour de la prison et des réponses qu'on doit y apporter. Le conférencier qu'ils vont entendre n'est pas un scientifique du CNRS, ni un sociologue, ni un analyste politique. Et pourtant, c'est un spécialiste du milieu carcéral. Il s'appelle Karim. Pourquoi la prison? Parce que, effectivement, j'étais incarcéré. J'étais incarcéré pour une peine criminelle. Et quand je suis arrivé en prison, j'étais usé socialement. Sauf que la prison, moi, je pensais que ça allait m'aider à ne plus être violent. Je pensais que tout ce qui était interdit à l'extérieur serait forcément interdit à l'intérieur. Effectivement, c'est interdit, mais ça arrive continuellement. Aujourd'hui, Karim est un acteur important du monde associatif, un expert du milieu carcéral et de la délinquance. Cet homme doux et généreux revient de loin. Ancien braqueur, hyper violent, il a été condamné à 10 ans de prison pour homicide. J'ai donc voulu rencontrer Karim. Je le retrouve à Angers, dans le Maine-et-Loire. Karim est pour moi l'exemple même d'une incroyable résilience. Son histoire est édifiante, à commencer par sa petite enfance. Karim est né d'une courte relation entre sa mère française et son père maghrébin qui disparaît à sa naissance. L'enfant est élevé par sa mère seule et lorsqu'il a 5 ans, Karim rencontre pour la première fois celui qui deviendra son beau-père. Il m'offre un TGV, tout neuf, parce qu'on n'était pas loin de Noël. Et il en profite au moment où on est seul, lui et moi, et il me dit « Écoute-moi bien, je t'aime pas, je t'aimerai jamais, et je vais te le faire payer. » Il me dit ça, j'ai 5 ans. Là, j'ai compris que ça allait devenir compliqué. Qu'est-ce qui pouvait déjà motiver cet homme? Ce que j'ai compris par la suite, en fait, c'est qu'il n'avait jamais accepté que ma mère ait eu d'autres relations avant, et notamment avec un arabe. Et donc le beau-père a très rapidement commencé à m'insulter, a commencé à me punir pour tout et n'importe quoi.
J'attendais beaucoup de ma mère à ces moments-là, mais ma mère me fuyait mon regard, n'intervenait jamais. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi. Ça, c'était difficile pour moi. Et petit à petit, elle a commencé, elle aussi, à m'insulter. Elle vous insultait de sale arabe, de sale bougnoul, de sale raton, d'avoir gâché sa vie, de ressembler à mon père. Je dormais dans une chambre qui était que pour les chiens. Il y avait des chiens à la maison, des gros chiens, des dogs allemands, des berges allemands. Et donc, moi, j'étais dans une chambre avec ces chiens-là. Et donc, je devais me cacher derrière un matelas pour éviter que le mâle dominant me bouffe la gueule, tout simplement. Ça fait de vous un enfant comment, là, déjà d'emblée, lorsque cet enfant il va à l'école ou qu'il est à l'extérieur? Déjà, quand cet enfant va à l'école, moi, j'étais obligé de sauter par la fenêtre du deuxième étage pour aller à l'école. Parce que mon beau-père et ma mère estimaient que je n'avais pas le droit d'aller à l'école, étant donné que j'étais un arabe. Lorsque j'y allais, en fait, c'était les seuls moments où j'étais véritablement un enfant, où je me sentais un enfant. Avant ça, je ne me sentais pas un enfant à la maison, je me sentais comme un esclave, comme... La survie, elle commence à l'école? Non, la survie, elle commence à la maison. Elle commence à la maison quand je suis enfermé dans le placard pendant qu'ils vont faire 2 jours à Deauville. Ça, c'est de la survie. La survie, elle commence quand je suis en dépression à l'âge de 5 ans et que je pleure toute la nuit dans ma chambre, derrière le matelas pour pas que le chien me bouffe. La survie, elle est quand je suis à poil, à genoux, au coin, en train de porter 2 bidons de 5 litres d'huile et que je me prends des coups de nerf de bœuf dans le cou. La survie, elle commence à ce moment-là où je suis obligé de manger du fromage pourri et où on me fait bouffer la couche de ma petite sœur. Ça, c'est de la survie pour moi. Personne n'était au courant de votre situation? Pas de grands-parents, pas de... Il y avait une rupture familiale. Ils se sont exclus seuls. On volait pour manger, on volait pour payer les factures, on volait pour tout. Et c'est un couple qui vit finalement en autarcie? Ouais, quasiment. Mais par contre, qui a de gros talents d'acteur lorsqu'il s'agit de faire entrer quelqu'un d'autre dans le cercle. Quelqu'un d'autre, je pense à des instances sociales, je pense à d'autres gens qui viendraient dans le groupe, enfin dans la famille. On n'aurait jamais pu imaginer ce qui se passait à la maison. Lorsqu'on est nourri à la haine, au coup, on se transforme en... On devient haineux et on devient bourreau. Voilà. Donc rapidement, ça a été mes premières compétences, je l'ai vu tout de suite, mes premières compétences, ça a été la violence. Mmh. Je prenais du plaisir, je commençais à exister dès lors que je voyais que je faisais du mal à des gens, que je voyais de la souffrance dans leurs yeux. Je savais que c'était pas bien, mais c'était ma façon d'être, c'était notre façon de vivre, c'est tout ce que je savais être. À chaque fois que j'allais voler et que je ramenais à manger à la maison, que ce soit en duo avec le beau-père ou bien seul, à la maison, le regard changeait sur moi. Pas longtemps, juste le temps de l'euphorie, mais pour moi, c'était un répit. C'est la paix que vous cherchiez, c'était ouais. Pas la reconnaissance. Non, c'était de la paix, c'était de l'amour aussi. L'amour. Bien sûr, je cherchais de l'amour, parce que je voyais bien la différence qu'il y avait entre moi et tous les autres enfants que je pouvais croiser. Vous devenez un délinquant aussi. Bien sûr. Là. Mais c'est la première chose que j'ai su faire, c'est la délinquance. Ouais. Et quand il a vu que j'apprenais vite, qu'il était mon maître d'apprentissage, et quand il s'agissait de casser un carreau sans faire de bruit, ou de casser une porte sans montrer qu'elle est cassée, ou de monter à l'étage à 2h du matin, enlever la bague d'une vieille dame alors qu'elle dort, et qu'il voit que j'arrive à faire ça sans erreur, entre guillemets. Ça le travaille. Ça le travaille parce que je prends sa place. Et lui, ce qu'il voulait, c'est que je pleure et que je souffre. Vous vous dites quoi? Vous vous dites, est-ce que ça va durer encore longtemps? Non, je me dis qu'il faut que je les tue. C'est ça que je me dis. Parce que j'en peux plus. J'en veux plus, je veux autre chose, je veux que ça s'arrête. Alors à 7 ans, je fais le plan de tuer mes parents. Alors ça vaut ce que ça vaut, j'ai mis de l'eau de Javel dans leur café. Erreur, parce qu'à peine je leur ai ramené le café, qu'ils m'ont senti. Et là, j'ai pris une grosse volée à coups de ceinturon. En revenant de cette volée, je me suis dit, ah ouais, j'arrive pas à les tuer. Alors c'est moi qui vais mourir. Et là, je vais dans la cuisine et je prends le couteau le plus grand que je trouve dans la cuisine, je le mets face à moi et je cours contre le mur. Sauf que ma vie n'est pas terminée. Et mon instinct se jette en l'air et je m'arrête face au mur. Alors là, je suis triste, je suis malheureux. Parce que je ne vais pas pouvoir me sortir de cette réalité. Je le sais. Ça encore aujourd'hui, c'est dur. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas la peine que j'espère d'avoir une famille, que ce n'est pas la peine que j'espère d'être aimé. À 12 ans, Karim comprend qu'il doit quitter son domicile s'il veut survivre. Il décide donc de se faire arrêter en volant un vélo devant un vigile.
Les autorités le placent dans un foyer pour jeunes en difficulté. Il sort tous les week-ends et se retrouve chez ses parents. Pendant ces années, Karim devient de plus en plus violent. À 15 ans, dans ma vie, il n'y a que de la délinquance. Je me lève en me disant qu'est-ce que je vais voler aujourd'hui. Donc je regarde les gens au distributeur. Celui qui est resté le plus longtemps au distributeur, pour moi, ça veut dire qu'il a le plus d'argent. Et je le suis jusqu'à chez lui. Jusqu'à le séquestrer s'il faut, lui prendre son argent. J'en ai marre de marcher. Il y a un mec qui s'arrête au feu rouge avec sa moto. Je lui mets un coup de marteau dans le casque et puis je prends la moto et je m'en vais. Vous êtes devenu, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous êtes devenu une bête féroce à 15 ans. Bien sûr. Et je suis d'accord avec, j'en ai envie, c'est l'identité que je veux avoir à ce moment-là. Parce qu'en fait, je crois qu'au fond, je veux faire peur à mon beau-père. Je veux arriver, à un moment donné, à lui faire peur. Puis tous les jours, un peu plus de délinquance, plus de risques pour plus de gains. Et puis vous oubliez, moi j'ai oublié mon objectif principal, celui de me venger de mon beau-père. Je suis rentré, je suis devenu esclave de ma violence, de cette délinquance. Et voilà, et c'est comme ça qu'on monte un peu plus le niveau de violence. À l'âge de 18 ans, Karim rêve d'un coup plus gros que les autres, un coup pour aider sa famille, car son beau-père est alors en prison. Karim devient en quelque sorte soutien de famille. Sur mon chemin, en même temps que je réfléchis à comment je vais faire de l'argent à la maison, je croise un jeune avec qui j'étais en foyer 2 ans auparavant et à qui j'avais fait investir l'héritage de son grand-père dans des stupéfiants. Il est clairement dealer. Ah, il est dealer, il est grossiste de stupéfiants. Grossiste de stupéfiants. Voilà. Okay. Mais en tout genre, donc il a varié son activité. Alors là, je me dis, mais bien sûr, là c'est cool, dépanne-moi 1 kilo de shit, je lui demande, pour que je le vende et je te rembourse à la fin du mois. Et là, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il me dit, mais moi, je suis ton père, moi, pour te donner de l'argent, pour te dépanner 1 kilo de shit, moi. T'as cru que j'étais ton père? Déjà, il utilise mon père quoi, pour me dire ça. Ça me fait quelque chose, ça m'envoie quelque chose. Et puis, je vous demandais juste un retour. C'est un peu ce qui se passe dans le milieu. Il y a un retour, je te dépanne, tu me dépannes, etc. Et là, il ne veut pas me faire de retour. Et sur le chemin d'en bas de chez lui, il y a un client à lui qui monte. Et là, je le dénigre complètement. Je dis, va pas le voir, c'est enfoiré, il ne sert à rien. Et c'est le client qui me dit, mais attends, écoute, il est trop puissant. Vendredi, il y a une transac de ouf. Vendredi. Il m'a dit vendredi. Et là, on est mercredi. Mercredi à vendredi, il y a 2 jours. Et donc moi, à partir de là, je sais que je vais venir le braquer. Et donc, à la maison, il y a des armes, parce qu'on a toujours eu des armes à la maison. Hein. Le beau-père, il braquait des armureries, donc on avait des armes à la maison. À partir de là, j'appelle un pote à moi, qui est dans la même galère que moi, dans sa famille. Lui, il est chaud, hein, il veut le faire avec moi. Le lendemain, il en parle à son cousin. Et le vendredi, ils arrivent tous les deux. Son cousin que je connaissais de vue comme ça et qui vient me voir et qui me dit, écoute, moi j'accepte de rentrer dans le plan, mais si c'est moi qui tiens l'arme, parce que je veux pas que mon petit cousin fasse une connerie. J'ai dit, mais arrangez-vous comme vous voulez, moi en tous les cas on va le faire, je prends l'argent et le shit, vous prenez le reste, c'est réglé. Et ben voilà, et après on est parti. Donc on s'est équipé, on avait des trucs pour attacher les gens, on avait les cagoules, on avait l'arme et tout ce qu'il fallait, et c'est parti. On monte, on tape à la porte, et en même temps que la porte elle s'ouvre, ben on tape dedans. Et là, tout le monde, c'était en pleine transaction, donc c'était un peu chaud. Donc dès qu'on est rentré, il était prévu que moi, je cherche la drogue et tout ce qu'il y avait au niveau de la transaction et que je charge. Les deux autres devaient tenir en respect les gens, les attacher et faire en sorte que ça se passe bien. Je vais dans la cuisine et là, je trouve effectivement la transaction sur la table de la cuisine avec un grand sac de sport. Donc je prends le sac et puis je vide tout dans le sac, tout ce qu'il y a sur la table. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il y a de l'argent, il y a du shit, il y a de l'héroïne, il y a de la cocaïne et des extras. Il y a un peu de tout. Voilà. D'accord. Et donc je charge, et avant même que j'ai terminé de charger, j'entends un coup de feu. Et donc ça me fait flipper, je finis de charger, je ferme le sac, je mets sur le dos, j'arrive dans le salon, et là je vois, y a un gars par terre, la tête explosée, et des mecs sont dans le canapé, sont attachés, ils sont choqués. Mon pote, il est avec l'arme comme ça, il est choqué. À partir de là, c'est moi qui fais... Qui est la victime en fait? C'est le dealer. C'est le dealer. Et là, hop, je sais pas, d'un coup, ça se réanime, quoi, et on part. Et moi, je demande là, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, les gars? J'ai pas compris. J'ai entendu le coup de feu, je vois tout le bordel. Lui, il me dit, je sais pas ce qui s'est passé. Le coup, il est parti, je sais pas. Et l'autre, il parle pas. Et derrière, il est complètement choqué, il parle pas. Donc, on fait comme on a dit, partage. Tout le monde remballe sa caisse, tout le monde repart chez lui. Vous vous trouvez dans quel état, vous? Parce que moi, je suis en transe. J'en ai fait plein des braquages, ouais. J'ai jamais été dans cet état. Vous savez là que vous avez laissé quelqu'un de mort? Mais là, je sais que j'ai gâché la vie de plein de gens. Là, tout de suite, je prends tout de suite la culpabilité de tout. Pour moi, là, l'autre qui est choqué derrière, c'est de ma faute. Lui, le coup, il est parti, c'est de ma faute. Le gars, il est mort, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ouais. Je rentre chez ma mère
Et j'attends, et je suis pas bien. Et à 6h15, plein de bagnoles, plein d'estafettes devant la maison, les keufs qui arrivent. Donc à 6h du mat, les flics arrivent, qui réveillent tout le monde, les gamins, ma mère qui dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Les flics qui lui disent « mais votre fils a tué un homme ». Et là, moi, ça m'a fait comme une bombe dans le cœur, quoi. Parce que je sais que j'ai tué personne, mais je sais qu'il est mort maintenant. Avant, j'en étais pas sûr, là, j'en suis certain. Et le truc, c'est que c'est moi, là, qui pense que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Karim et ses complices sont placés en garde à vue, puis en détention provisoire. 3 ans après, ils sont jugés pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Karim refuse de charger ses complices et il ne révèle pas ce qu'il s'est vraiment passé. Tous les trois sont condamnés à 10 ans de prison et à 45 000 euros d'amende. Après son arrestation et ses 96 heures de garde à vue, Karim va découvrir la prison. Là, je découvre que je vais devoir partager 9 mètres carrés avec 4 personnes, dont un SDF qui fait chaque année ce qu'il faut pour venir en prison passer l'hiver au chaud. J'avais un toxicomane qui était là, qui prend des substituts à l'héroïne. Et un jeune comme moi, 19 ans, et tous les deux, on se reconnaît, on joue ensemble, on fume du shit ensemble, on cuisine ensemble, on fait des pompes, voilà. On crée des liens entre nous dans ce petit espace, mais finalement, il m'apprend ce qu'est la prison. Il me dit « Attention, quand tu vas sortir en promenade, on va peut-être te racketter, il faut faire gaffe à tout, les mecs d'à côté, etc., les yo-yos, les surveillants, il m'explique tout. » Et je sors en promenade et ça loupe pas. Il y a un mec qui vient à ma droite qui me prend par le cou et qui me dit « Moi, je vais prendre… Tu fais du combien ?» Je dis « Je fais du 43 », il me dit « Moi aussi. Moi, je vais prendre tes chaussures. » Et là, il y a son pote qui vient et qui me dit qu'il va prendre mon blouson. J'ai dit « Ah ouais ?» Et là, j'ai mordu la gorge jusqu'à ce que qu'on nous sépare. Et j'ai parlé à tout le monde en expliquant que voilà, si vous voulez prendre quelque chose sur moi, c'est possible. Mais il va falloir me traîner alors. Parce que je ne laisserai rien comme ça cadeau. Donc il a fallu faire preuve de violence extrême d'entrée pour montrer qui j'étais. Et ce à quoi il fallait s'attendre si on voulait me prendre quelque chose. Moi, je n'ai pas cherché à me faire respecter, j'ai cherché à me faire craindre. Parce que le respect n'existe pas en prison. Ce n'est pas du respect, c'est de la peur que les gens ils ont en face de toi. Et ils vont te respecter parce qu'ils ont peur. J'en suis pas fier, bien sûr que non. Mais c'était nécessaire. C'était eux ou moi. J'ai choisi mon camp depuis que je suis enfant. Et ça m'a peiné de voir, de me sentir être obligé de devenir quelqu'un d'autre, encore plus violent. Moi, je pensais qu'ici, c'était l'endroit où j'allais pouvoir changer, mais pas de ce sens-là. Parce que c'était pour devenir plus violent, j'aurais pu rester dehors, je savais le faire, ça. Maintenant, d'aller en prison, je pensais qu'ils allaient m'expliquer comment faire autrement, comment exister autrement qu'à travers la violence. C'est très présent dans vos propos que dès le début, vous pensez qu'on va faire quelque chose pour vous en prison. Bien sûr. Je me suis dit qu'ici, plus que dans ma famille, j'allais avoir plus de chances de me réparer. Parce que j'allais avoir tout un collectif, tous les professionnels qui s'occupaient de moi. Mais la première année, je les ai vus comme mes ennemis jurés. Et eux aussi m'ont vu dans ça aussi. Parce que je ne suis pas arrivé en paix, je suis arrivé en guerre. Depuis que j'avais troqué mon nom contre un numéro, j'étais en mode animal. Si on doit faire un bilan de cette révolte, de cette colère, de cette violence, elle s'arrête quand en fait? Donc j'étais dans une espèce de fatalisme absolu en me disant « Eh ben écoute, c'est comme ça et puis c'est tout, il faudra l'accepter. C'est comme tes parents, tu les as pas voulu mais ils étaient là. C'est comme tout ce qu'on t'a fait, tu l'as pas voulu mais c'était là. C'est comme toute cette violence, tu la veux pas mais elle est là. » J'étais en train de l'accepter lorsque j'ai rencontré des gens. Parce que la prison, c'est pas que des murs et des barreaux. C'est des hommes, des femmes et des surveillants. J'ai commencé à comprendre leur réalité et à comprendre ma réalité aussi. Et donc c'est quand j'ai commencé à respecter les gens que j'ai commencé à me respecter aussi. J'avais besoin d'espoir en prison. Parce que lorsque vous vous sentez abandonné par tout ce qui vous entoure, à un moment donné, pour continuer d'exister, il faut avoir de l'espoir. L'espoir, ça fait vivre, c'est vrai. Mais dans mon cas, ça m'a fait survivre aussi. Petit à petit, Karim change. Il voit autour de lui certains récidiver sans cesse et comprend que s'il ne se prend pas en main, il deviendra comme eux. Il fait aussi des rencontres décisives au sein même de la prison, dont une qui a changé sa vie. Cet aumônier, à un moment où j'étais dans le noir le plus total, où je ne sortais plus en promenade, j'étais en dépression. Et puis un jour, cette porte s'ouvre et comme à mon habitude, je me lève en colère pour dire de sortir. Et je trouve un homme de foi, avec une croix en bois, qui me dit « Excusez-moi, je me suis trompé de cellule ». J'ai dit « Monsieur, non, vous sortez pas ». Alors j'étais certainement un peu agressif, ça a dû lui faire peur. Il m'a dit « Mais pourquoi ?» Je dis « Non, installez-vous sur le seul tabouret de ma cellule, c'est pour vous ». Et il s'est assis et on a discuté 20 minutes. J'ai rencontré cet homme 20 minutes dans ma vie, il y a plus de 20 ans. Et il a changé le monde autour de moi. Comment ça s'est passé? Il m'a vu très très angoissé, très très enragé. Et il m'a dit « Monsieur, vous m'avez l'air de pas être bien ». J'ai dit « Ah oui mon père, bien sûr que je suis pas bien et je crois même que Dieu ne pourra pas me pardonner pour ce que j'ai fait ».
Et là, il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais et que j'utilise au quotidien avec les jeunes que je rencontre. Il m'a dit, écoutez, détrompez-vous, parce que Dieu, il éprouve ceux qu'il aime. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. En vérité, Dieu, il m'aime puisque je suis éprouvé depuis le début de ma vie. Et puis, dans la foulée, comme par enchantement, j'ai envie de dire, eh bien, l'amour c'est posé devant moi comme un papillon se pose sur une fleur. Comment il arrive cet amour? Un jour, je rentre de promenade et dans ma boîte de lessive collée au Babybel sur ma porte qui me servait de boîte à lettres, je trouve un courrier. Et là, l'écriture, je ne reconnais pas. J'ouvre cette enveloppe déjà ouverte et déjà lue par les services pénitentiaires. Ouais. Et je trouve une photo d'une femme magnifique que je ne connais pas. Et je trouve un courrier qui me dit, monsieur, j'ai bien compris votre situation, comme quoi vous êtes en prison et moi, je vous écris ce courrier pour vous proposer un soutien par la correspondance si vous en avez envie. J'ai cru que je rêvais à ce moment-là. C'est incroyable. J'ai pas cru, c'était une des plus belles choses qui m'arrivaient dans ma vie, si ce n'est la plus belle. Alors bien sûr que j'avais envie d'y croire plus que tout au monde, mais en même temps j'avais tellement peur d'être déçu, tellement peur d'être trompé, que j'étais sur la réserve et un peu la défensive. J'ai mis plus d'une semaine à répondre à ce courrier, à y réfléchir et j'y ai répondu finalement juste pour confirmer que c'était pas une blague, tout simplement. Et puis, elle m'a répondu. Et puis, j'ai répondu. Et puis, ça c'est devenu 3 courriers par semaine pendant 4 ans et demi. Elle voulait venir. Sans se voir. Je ne voulais pas. Parce que, vous savez, dans 9 mètres carrés, on n'est pas beau à voir. Je peux vous l'assurer. Et c'est cette femme-là, plus que tous les gens que j'ai pu rencontrer, qui m'a donné envie d'arrêter de faire du mal aux gens. C'est la première personne, je crois, que j'ai véritablement aimée. Et je me suis vu comme un enfant, découvrant tout cela à plus de 20 ans. Ça m'a fait bizarre, mais ça m'a fait du bien aussi. Pour briser sa solitude, Karim avait en effet commencé à écrire à quelques-uns de ses anciens copains. C'est l'une de ses lettres qui a permis à une jeune fille, Ilkay, de faire sa connaissance. Aujourd'hui, ils sont mariés et ont 2 enfants. À l'âge de 20 ans, Ilkay est tombé par hasard sur une lettre de Karim dans des affaires appartenant à un ami de son frère. J'ai voulu comprendre ce qui a poussé une jeune fille de 20 ans à écrire à un inconnu et de surcroît en prison. J'ai lu juste par curiosité, comme ça. Bah, c'était un courrier assez banal quand même. Quelqu'un qui raconte à quelqu'un son quotidien, quoi. Et en fait, c'est à la fin du courrier et je regarde un peu l'enveloppe, etc. Et je me rends compte d'un coup que ça vient de la prison. Et là, ça me choque un petit peu quand même. Ça vous vient comment de lui écrire ? D'un coup, je me suis imaginé les hommes en prison, derrière les barreaux, la solitude, etc. Et moi, je me sentais prisonnière de ma solitude. Votre solitude, en fait, elle était due à quoi ? À votre nature ? Ma nature, déjà. Et oui, mon environnement familial m'emprisonnait un peu dans leur manière de vivre qui ne me convenait pas forcément, quoi, en fait. Dans ma famille, rencontrer des hommes... moi, à 20 ans, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de parler avec les hommes, donc... En fait, j'étais prédestinée à me marier avec quelqu'un de mes origines et pas autre chose, quoi. D'accord. Vous êtes d'origine ? Kurde. Kurde. Ouais. Je ne me laissais pas beaucoup de liberté. Mm-hmm. Donc liberté, tout ça, c'était des choses que un prisonnier peut comprendre, quoi. Donc, vous décidez de lui écrire ? Mm-hmm. Un petit courrier pour dire juste coucou, quoi. Voilà. Juste coucou, mais juste, voilà, je suis là, je peux... Voilà, quoi, je peux continuer s'il le souhaite ou m'arrêter là s'il le souhaite, en fait. D'accord. C'était... comme il lui voulait, en fait. Voilà. Alors la suite, en fait, c'est que vous recevez une réponse. Oui. Et je ne m'y attendais pas, par contre. Non ? Non, non. Pourquoi vous ? Je me suis dit, je suis qui, moi, pour qu'il me réponde, quoi, en fait. Il a autre chose à penser, peut-être. Il a une famille, une femme, des enfants, je ne sais pas, en fait. Donc, Est-ce que vous parlez de ce pourquoi Karim est en prison Moi, j'ai jamais posé la question, en fait. C'est lui qui a naturellement écrit un courrier où il m'explique en gros un peu ce qui s'est passé. Et même après ça, j'ai même pas cherché, en fait, à comprendre, parce que pour moi, ça faisait partie de son passé, en fait. Il était là en train de purger sa peine, donc j'avais pas à me donner mon avis, en fin de compte, sur ce qui s'était passé avant moi. Vous avez appris ensuite qu'il avait été condamné à 10 années de réclusion criminelle. Oui, c'est ça. Oui. C'est une nouvelle que vous avez appris comment ? Je me suis dit, voilà, maintenant je suis là, je vais l'accompagner. Il n'y avait pas encore cette histoire d'amour ou quoi que ce soit. Donc moi, j'étais prête à continuer à lui écrire tant que lui en avait besoin et que moi, ça me faisait du bien aussi. Donc c'était réciproque, le bien qu'on se faisait en fin de compte. Mm-hmm. Je trouvais mon compte là-dedans, quoi.
en pouvant expliquer mon quotidien, etc. Donc voilà. Donc vous sentez à un moment qu'il y a de l'amour? Oui. Vous vous y attendiez un petit peu quand même, hein? Non. Non? Non. J'y ai pas pensé dès le départ qu'il pouvait tomber amoureux ou... voilà, j'y ai pas pensé. Et alors, lorsque vous avez perçu que... C'est flatteur que quelqu'un puisse s'attacher à ce point-là à vous, à travers des courriers, que ça voulait bien dire que je faisais vraiment énormément de bien, en fait, quoi. Et vous? Moi aussi. Vous aussi? Oui. Il avait quelque chose de différent chez lui que, par exemple, les hommes de dehors n'avaient pas. Je l'ai ressenti, ouais, par courrier, qu'il mm-hmm. était différent. Mm-hmm. Ouais, qu'il allait m'apporter une vie aussi différente de la mienne. De par son parcours, de par ce qu'il avait vécu, etc. Et moi, pour moi, c'était beau. J'aimais bien cette idée-là, en fait. Ça veut dire que vous aviez une confiance en lui? En fait, c'est quelqu'un de déterminé. Donc, vous sentez qu'il est déterminé. Et quand il dit qu'il va vous rendre heureuse et qu'il va faire ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien, vous avez vraiment envie de le croire. Mm-hmm. Et ça vous touche vraiment, quoi. Et il est comme ça tout le temps, en fait. Pendant sa détention, Karim est décidé à changer. Il va entreprendre plusieurs formations, mais à chaque fois, il doit faire preuve d'une détermination sans faille pour y parvenir. Moi, vous savez, j'étais dans cette prison et je savais bien que je devais être puni pour l'acte que j'avais passé, mais je savais aussi que je voulais me réparer. Il y en avait peu de moyens autour de moi, mais il y en avait certains. Vous savez, quand vous êtes dans une prison et qu'il y a 250 jeunes de moins de 25 ans, mais il n'y a que 35 places de formation, comme si la formation ne représentait pas un tremplin pour la réinsertion. Qu'est-ce qu'on attend de ces jeunes? Mais je me suis dit... Je veux y aller quand même. Il a fallu que je fasse une grève de la faim pour avoir accès à une formation. J'ai tout fait. Je suis devenu contremaître à l'atelier. J'ai fait des formations sans avoir envie de finalement faire ce métier à l'extérieur. Je voulais prouver des efforts de réinsertion indéniables que personne ne pourrait refuser. Contester. J'ai été de toutes les manifestations sportives, éducatives, artistiques, culturelles. J'étais dans tous les bons coups, pour une fois. Je vous ai dit, je me suis retrouvé à chanter dans un canon d'une chorale chrétienne. Juste parce que je voulais me sociabiliser avec des gens différents de moi. Vous étiez vorace? Bien sûr que j'étais vorace. Parce que pendant que je suis en formation, je ne suis pas dans mes 9 mètres carrés. Et j'apprends des choses. J'ai passé d'abord des diplômes techniques du type CAP, BEP, dans les métiers du bâtiment, parce que c'est souvent aussi ce qui est proposé. Et puis ensuite, j'ai passé mon bac littéraire. Et puis ensuite, j'ai passé mon brevet d'éducateur sportif pendant 2 ans par correspondance. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que cette rédemption, elle est née? C'est quoi? C'est l'intelligence? C'est le respect de soi-même d'un seul coup? Est-ce que c'est quand on se regarde dans une glace le soir, vous avez envie de voir quelqu'un d'autre? C'est quoi? C'est un peu de tout ça, mais avant tout, j'ai envie de dire que c'était une détermination à exister. Des nuits et jours. Je me réveillais en pleine nuit pour me regarder et me dire « Tu ne seras pas comme le monstre que tu as été aujourd'hui, demain. » Mais le moteur de motivation, tout ça, c'était comme un rêve que j'avais, celui de me retrouver devant ma mère à la fin de cette prison et de lui montrer l'homme que j'étais devenu. Pour voir peut-être un peu de fierté, d'amour, de considération, je ne sais pas quoi, dans ses yeux, quelque chose qui m'avait manqué toute ma vie. On se dirige à cette date du 29 septembre 2002 où vous allez sortir de prison. Je sors de là avec cette femme dans ma vie, avec ces changements que j'ai entrepris, mais qui ne sont pas encore effectifs parce qu'il faut les vérifier maintenant. Bien sûr. C'est facile de décider de se dire j'aurais pu braquer sur son lit. Mais maintenant que je sors, et vous savez, lorsque je suis sorti, c'est un ancien détenu qui est venu me chercher à la porte de la prison. Il est venu avec une grosse voiture. Et sur le chemin qui devait me ramener à la gare, il me dit « Karim, écoute, dans 15 jours, on fait un Brinks. On a besoin de quelqu'un. Ça sera 100 000 €, il n'y en a même pas pour 10 minutes. » Ça a été un choix très difficile pour moi. Toutes les promesses qu'on se fait en prison... À ce moment-là, ça vacille. À ce moment-là, je peux vous assurer que j'ai eu des sueurs froides. J'ai pensé à cette femme, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à mes victimes, j'ai pensé même à la présidente de la cour d'assises, j'ai pensé à tous ces gens à qui j'avais promis des choses. J'ai regardé le compteur, j'ai dit « Combien elle roule ta voiture, ta super voiture ?» J'ai dit « Vas-y, accélère, ramène-moi à la gare. » Il m'a ramené à la gare, j'ai pris mon train. Et j'ai appris plus tard qu'ils avaient fait ce coup sans moi. Et il a pris 15 ans et il a perdu 2 doigts sur sa main parce qu'il est parti trop tard du pain de plastique qu'il avait posé sur le Brinks. Moi, je savais que je ne savais pas vivre avec 700 € par mois avec cette femme qui était enceinte. Par contre, je savais que j'étais capable de poser un pain de plastique à l'arrière d'un fourgon blindé. J'ai fait ce choix de me dire, je dois y arriver, je peux y arriver, je vais y arriver. Si Ilkay n'avait pas
était dans votre vie à ce moment-là. Est-ce que vous auriez accepté la proposition de cet homme? Mais je n'aurais peut-être même pas été jusque-là. Je me serais arrêté avant cela. C'est-à-dire vous seriez peut-être mort en prison. J'aurais pris tous les risques possibles et inimaginables. J'avais une telle soif de violence, une telle soif de vengeance que j'aurais fait les mauvais choix, bien évidemment. Mm-hmm. C'est sûr. Donc, bien sûr qu'elle m'a sauvé la vie plusieurs fois. À sa sortie de prison, Karim va directement rejoindre Ilkay dans l'est de la France. Avant ses retrouvailles, il ne s'était vu qu'une seule fois, à l'occasion d'une permission. Au premier regard, j'ai compris que c'était lui. Et au moment où je le vois, je vois son regard, je sens quelque chose qui se passe et je le prends dans mes bras et là je comprends que c'est lui que je veux et c'est avec lui que j'ai envie d'être, quoi. C'était une évidence en fait à ce moment-là. Je pense que ça faisait longtemps que j'attendais ce moment où je pourrais enfin m'émanciper de ce côté familial qui m'étouffait, quoi, en fait. Et quelque part, Karim a été pour moi aussi la clé de ça. Donc il fallait que lui vienne me chercher et m'emmène avec lui, quoi. C'est assez romanesque. Oui. On a l'impression que le prince vient chercher sa princesse. Un peu, ouais. Il vient vous chercher, vous fuyez quand même, donc oui, votre famille. Oui, ouais. Ça, je vais devoir fuir pour pouvoir partir. Parce que je sais que chez moi, ils ne vont pas l'accepter. Et c'était difficile en fait par rapport à mon père pour moi, de l'abandonner comme ça, de le trahir un peu comme ça. Votre famille, elle est maintenant au courant du passé de Karim de... Oui. Ah ben maintenant ils sont plutôt fiers, je dirais, parce qu'il a sorti un livre, etc. C'est le mari de ma fille, voilà. D'accord. Donc voilà. Ça vous arrive parfois de vous dire, enfin, je suis quand même partie d'une lettre trouvée dans un carton et. Ouais, je me le dis d'autant plus quand je regarde nos enfants, quoi. Je me dis d'où on est parti et regarde-moi, elles sont là et tout. Quand j'entends maman, ça me fait toujours quelque chose. Quand j'entends papa, ça me rappelle toute l'histoire, quoi, tout le temps. Ouais, ça me touche tout le temps. Une fois dehors, Karim veut faire la preuve qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Mais il sent aussi que ce n'est pas gagné. Il doit se construire une nouvelle vie sans repères familiaux. Il sait qu'il va lui falloir vivre avec le poids de son passé. En fait, cette culpabilité, elle me rassure parce que ça m'humanise. Et plus je me sens coupable, plus je me sens vivant, plus je me sens humain. Et j'ai tellement peur que l'animal qui était en moi, qui était moi, reprenne les rênes, que j'ai besoin de me sentir humain à chaque instant. Vous êtes en train de me dire finalement que cette culpabilité, c'est presque l'épicentre de votre reconstruction et de votre repentance. Vous avez mis dans le mille, c'est complètement ça. Sans ça, il n'y aurait pas eu de rédemption, il n'y aurait pas eu de repentance. J'aurais pas de force dans mon discours, je le sens bien. Peu de temps après sa sortie de prison, Karim emmène Ilkay avec lui en région parisienne. Elle est enceinte, Karim profite de cette occasion pour tenter de se rapprocher de sa mère. Donc on est allés ensemble et c'est à ce moment-là que j'ai voulu montrer à ma mère le changement qui était le mien, cet avenir qui était le mien aussi, avec cette femme enceinte qui n'attendait que de vivre avec moi. Je voulais qu'elle voie à quel point voilà, je m'étais reconstruit, que tout était de nouveau possible. Qu'est-ce qu'il y a dans le regard de cette mère après 6 ans et demi de prison? Dans son regard finalement, j'y vois pas grand-chose, j'y vois pas plus de choses que lorsque je l'ai laissée en fait. Et en la retrouvant, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié de cette femme qui n'était pas capable de voir ce que je lui proposais, ce changement. Je l'avais en grande partie amorcé pour elle aussi, dans l'espoir d'y croiser un peu d'amour dans son regard, mais ça n'a pas été le cas encore. Alors je crois que ça a été assez violent aussi pour ma mère. Peut-être qu'elle pensait que je lui en voulais tellement que je ne reviendrais pas, et là, de me voir l'avoir pardonné, je crois que ça l'a bousculé à un point, et même si encore aujourd'hui, ce n'est pas réglé, chaque jour qui passe, chaque jour qui se lève, est une nouvelle chance d'y arriver. Vous allez aussi recroiser votre beau-père. Et vous avez pour objectif de lui pardonner, lui, à ce moment-là aussi ? Bien sûr. Maintenant, le beau-père, j'avais entretenu une telle rage, une telle haine. J'avais fait 1001 plans pour le supprimer. Et il fallait pour autant que je le pardonne. Et je savais bien que c'était le plus gros morceau dans le pardon. Je me disais, mais bon sang, quand je vais le rencontrer, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que rien que d'y penser, j'avais déjà le feu de la vengeance. Mmh. 10 minutes après, ça tape à la porte. Alors je vais ouvrir et je trouve le beau-père. Donc il a fait 2 pas en arrière. Je lui dis de continuer de marcher dans ce sens parce qu'on allait marcher ensemble. Et là, dès le premier regard en moi, j'ai senti une vague de violence, vraiment, qui demandait qu'à s'exprimer. Mmh. Je l'ai vraiment contenu. Je voulais lui donner peut-être une ultime chance de changer lui aussi. Parce que vous savez, c'est le seul père que j'ai jamais eu finalement.
Alors j'ai marché avec lui, on était dans un petit hameau et c'était en fin d'après-midi et le soleil se couchait. Je lui ai demandé de choisir un arbre, le plus beau qu'il voulait, parce que sa vie allait peut-être s'arrêter juste en dessous. Là, il m'a demandé, s'il te plaît, arrête. Je lui ai dit, mais moi, combien de fois je t'ai demandé, s'il te plaît, quand tu me frappais, quand tu me faisais dormir avec des chiens, quand tu m'enfermais dans le placard, quand tu jouais aux fléchettes dans mon dos, quand tu me faisais manger les excréments de mes petits frères et sœurs. Combien de fois je t'ai demandé, s'il te plaît, ça ne t'a pas arrêté. J'étais très menaçant, dans les mots, j'étais très violent. Et j'ai même fait semblant d'être armé pour vraiment accentuer cette menace. J'ai vu la peur dans ses yeux très vite. Et cette peur a nourri cette violence qu'il y avait en moi. Et à chaque seconde, je me sentais presque incapable de la dompter. Elle voulait sortir, vraiment. Tout en moi voulait le tuer, en fait. Et j'avais que cette petite lueur, cette petite promesse que je m'étais faite à moi, à mon créateur, celle de ne pas devenir un monstre. Il m'a supplié, il m'a demandé pardon. Et à chaque fois, j'avais cette réponse en lui disant « Rappelle-toi, toutes ces fois où moi aussi je t'ai dit tous ces mots. Alors, allonge-toi. » Il s'est allongé. J'ai préparé comme si j'allais sortir une arme. Et au moment où j'ai sorti ma main, j'ai vu qu'il a vraiment sursauté. J'ai vu cette peur comme jamais. Je l'ai vu sur personne. Et je lui dis, je ne deviendrai pas le monstre que tu es. Il va falloir que tu vives avec ça maintenant dans ta tête, avec cette question. J'espère qu'elle va te hanter. Comment moi j'ai fait pour te pardonner, toi, avec tout ce que tu m'as fait. Et maintenant, j'espère que Dieu te pardonnera. J'espère que tu vas changer. Mais aujourd'hui, nos chemins ne doivent plus se croiser. Et je suis parti. Vous savez, si je ne l'avais pas pardonné, je l'aurais tué. Et si je l'avais tué, vous savez, je serais mort. J'aurais certainement récidivé, mais je ne serais pas revenu en prison. J'aurais tiré sur la police pour qu'il me tue. Donc je l'ai fait pour me sauver la vie. En fait, je n'ai pas pensé à lui, je pensais qu'à moi. Et une fois que vous avez franchi cette première marche, c'est tout un escalier qui vous attend. Aujourd'hui, les marches de la rédemption, Karim continue de les gravir tous les jours. Son action est reconnue et appréciée. Il parcourt la France en tant que consultant carcéral. Il est conférencier dans les grandes écoles. Son site internet Carcéropolis est une mine d'informations spécialisée sur les prisons. Les politiques font désormais appel à lui. Ce matin, il endosse le costume de formateur pour des jeunes volontaires du service civique. Ces jeunes, issus des quartiers populaires, sont réunis pour écouter Karim leur parler de délinquance, d'incarcération et de réinsertion. Hier, j'étais à la maison d'arrêt de Mulhouse. La semaine dernière encore, je vais 3 fois par semaine, je suis en prison aujourd'hui. J'interviens en détention pour donner les clés à ces détenus. Leur dire comment devenir le premier acteur de sa réinsertion, donner un sens à sa peine. J'ai fait des rencontres, les plus humaines de toute ma vie, je les ai faites dans ces prisons. Celle du plus vieux détenu de France. Lorsque je le rencontre, moi j'ai 19 ans, et lui ça fait 37 ans et demi qu'il est en prison. Il m'a dit, Karim, quelle est la différence entre une minute et celle qui suit? J'ai mis 4 ou 5 ans à répondre à cette question aussi simple. En vérité, la différence entre une minute et celle qui suit, c'est ce que tu vas faire dedans. Soit tu décides qu'elle te roule dessus, et donc elle est inutile, ou alors tu rentres dedans, tu t'en empares et tu en fais ton avenir. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et lorsque je suis là face à vous et que je fais ce témoignage, eh bien, j'ai la sensation de m'amender, oui. De voir que malgré mes difficultés, j'étais capable d'aider des gens que je ne connaissais pas. Ça m'a aidé à me reconstruire. Ce sont ces jeunes, vous, que je remercierai jamais assez, qui m'avaient appris ce qu'est être un citoyen, ce qu'est être une personne fiable, respectueuse. Ce sont ces jeunes volontaires comme vous qui m'ont fait comprendre ce qu'était le sens d'un citoyen, le sens d'un homme aussi, dans la vie. Donner à ces jeunes l'envie de faire quelque chose pour la société, les revaloriser, les amener à refuser la délinquance qu'ils voient parfois autour d'eux comme une fatalité, c'est le but de Karim. Le service civique est une arme très douce, mais qui perce beaucoup d'armure. Donc je pense qu'on peut se battre avec notre jeunesse en faisant des acteurs pour demain. Mais pour ça, il faut redonner du sens à notre jeunesse, redonner du sens à notre politique intérieure sur toutes ces questions-là, sur comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble. Lorsque vous vous adressez à des élites, à Sciences Po par exemple, le message... Est-ce qu'il diffère vraiment, finalement? Est-ce que vous devez utiliser d'autres clés? Oui, bien sûr, parce que les profils sont différents, les parcours aussi. Je me souviens d'une question que je leur pose. Qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher en arrivant, en venant m'écouter? Et avec quoi est-ce qu'ils vont repartir? Et j'ai parfois cette jeune fille qui lève sa main et qui me dit « Mais j'étais venu écouter le témoignage d'un ancien détenu. » Et en fait, je repars conforté dans mon but de devenir procureur de la République. Mais je viens de comprendre aussi que le changement est possible chez un individu. Et donc, je ne serai pas enfermé dans les mathématiques d'un code pénal. Pour moi,
J'ai gagné quand j'entends ça. Elle fera une autre justice demain, c'est sûr. Parce que j'ai réussi à la convaincre par l'exemple qu'à la fois le changement est possible, mais qu'un individu n'est pas déterminé par son action d'un jour. Karim insiste sur le fait que la récidive n'est pas une fatalité. Surtout si l'on met l'accent sur l'éducation et la réinsertion dès le début d'une peine de prison. C'est le discours qu'il tient régulièrement à ceux qui feront les lois de demain. Ce jour-là, c'est à Sciences Po Paris. Quand on est la pénitentiaire et qu'on a 26 700 agents qui sont dédiés à enfermer les détenus, donc des surveillants, et que vous n'avez que 4 700 agents qui sont dédiés à préparer la réinsertion du même nombre de détenus, ça veut donc dire un surveillant pour 2,5 détenus contre un agent conseiller d'insertion et de probation pour 80 à 120 détenus. Donc vous voyez bien l'argent, où est-ce qu'on met l'argent, et plutôt sur l'aspect sécuritaire, il faut enfermer les gens, etc. Or, la pénitentiaire a quand même deux missions principales. Un, c'est de mettre à l'écart les individus les plus dangereux dans notre société. Bien évidemment, il faut protéger l'intérêt général, il n'y a pas de souci là-dessus. Et la deuxième, c'est de tout mettre en œuvre pour réinsérer ces individus. Donc, qu'est-ce qu'on attend, finalement, pour changer les prisons, enfin, plus que pour les fermer ? Je ne me rappelle plus comment c'est un bisou. C'est ça. Mmh. Ça, c'est un cadeau. Sans Ilkay, Karim ne serait sans doute plus en vie. S'il en est là aujourd'hui, c'est en bonne partie grâce à elle, même si cela n'a pas toujours été facile à gérer pour le couple. C'est la grosse réussite de ma vie, jusque maintenant. Vous dites souvent, lorsque vous parlez de Karim, qu'il a été une victime longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est ? Il est un père et un homme guéri de toutes ses blessures, quoi. C'est quelqu'un qui vraiment donne l'impression que d'être déterminé dans... Même s'il ne le fait pas tout de suite, je sais que ça fait son chemin dans sa tête et puis qu'un jour, voilà, ça peut se faire. Que tout est possible ? Ouais. Pas mal, hein. Fais gaffe, on ferme les fenêtres, sinon je pourrais même m'envoler. En 1995, une vague d'attentats endeuille la France pendant l'été. L'assassinat de l'imam Sahraoui, l'attentat du RER B à Saint-Michel, et trois semaines plus tard, une bombe place de l'Étoile, ainsi que plusieurs autres attentats ou tentatives, font en tout 10 morts et des dizaines de blessés. Les commanditaires de ces attentats sont des terroristes algériens du GIA, le groupe islamique armé. Le 29 septembre, Khaled Kelkal, l'un des membres du GIA impliqué dans ces attentats, est abattu à Vaugneray, près de Lyon. Plusieurs coups de filet dans les milieux islamistes ont permis d'arrêter la quasi-totalité des personnes impliquées. Le 31 août 1995, un certain Daoud l'Algérien est interpellé au domicile d'un homme appartenant à cette mouvance. Daoud s'appelle en réalité David Valla. Il est français et venait de quitter le GIA dont il ne cautionnait plus l'action. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, David est complètement sorti de la spirale djihadiste. Il lutte contre cette doctrine radicale venue des pays du Golfe. Notre adversaire, c'est le wahhabisme et le mouvement des frères musulmans. Les deux ont le même objectif. Pour comprendre comment cet ex-djihadiste est devenu un opposant farouche à l'islamisme radical, j'ai voulu qu'il me raconte son parcours. C'est à Villefontaine, tout près de Lyon, que je le retrouve. David. Bonjour. Bonjour. C'est votre quartier C'est le quartier où j'ai grandi, les Oursons, à Villefontaine. C'est bucolique, hein. On est loin de l'idée du tout béton. David a été élevé ici avec son frère et ses deux sœurs par une mère seule, catholique, non pratiquante. Leur père les avait abandonnés quelques années après sa naissance. Dès l'enfance, David fait preuve d'un fort caractère. Il s'intéresse très tôt à la politique et à l'âge de 19 ans, il se convertit à l'islam. Je me convertis à un islam qui me donne une vue pacifiée du monde. Et je prends bien conscience du statut des prolétaires de notre pays d'origine étrangère. Mmh. Et ces gens-là supportent des conditions de travail très dures, des salaires très bas, souvent du racisme dans la vie civile. Mais ces gens-là ne sont ni dans la haine, ni dans le rejet.
ni dans un esprit revanchard, ne sont pas racistes, sont courageux, endurants. Lorsqu'on me reçoit chez eux, on ne voit pas David, le petit Français, issu de cette communauté qui nous a fait souffrir. Au contraire, on me reçoit avec tous les égards, on me donne à manger, je fais partie quasiment de la famille de mes amis à cette époque-là. Et c'est ça qui me parle, c'est cet aspect humain de cette religion qui permet aux gens d'appréhender ce monde de façon pacifiée. C'est après que je vois arriver dans les mosquées des jeunes qui, eux, tiennent un autre discours, tout à fait à l'opposé. D'ailleurs, les jeunes diront à ces vieux, vous avez un islam d'endormi. Et les vieux diront aux jeunes, vous avez un islam nouveau qu'on ne connaît pas. À l'âge de 15 ans, vous êtes dans un islam tranquille, vous dites, tranquille, modéré. Mais je ne pratique pas. C'est après que ça devient rigoriste. Lorsque je me convertis, je reste encore une année à l'école. Le jour où j'entends qu'à 16 ans, ce n'est plus obligatoire d'y aller, je suis né le 27 juin, je finis mon année le 28 de cette année-là. Et on ne me reverra plus sur les bancs de l'école avant plusieurs années. Parce que j'entends réussir dans la vie sans diplôme. Je suis de cet orgueil-là à l'époque. Mmh. Et entre 16 et 19 ans, j'emprunte une voie qui commence à s'apparenter au banditisme. C'est de la délinquance, ça commence à devenir de la délinquance plus conséquente. Et je me rends compte que c'est une impasse. Comment est-ce que vous vous rendez compte que c'est une impasse ? Un soir, nous sommes avec plusieurs amis dans une voiture. Des gendarmes se mettent en tête de nous contrôler. Celle-ci est volée. Le conducteur, il a un casier judiciaire long comme un jour sans pain. Il ne veut pas retourner en prison, donc veut se dégager du contrôle. L'un des gendarmes échappe à se faire écraser par le véhicule. Ils ouvrent le feu. Je rentre chez moi et je me dis que je vais finir dans un interligne de faits divers et voilà où ça va me mener, toutes ces histoires. Donc je me ressaisis, j'arrête toutes ces âneries et je me mets à pratiquer cette religion, mais cette fois de façon sérieuse, avec les 5 prières par jour. J'arrête les bêtises. Ensuite, je dois effectuer mon service militaire. J'y réchappe pas. Alors, j'y vais en traînant la patte, réellement. À 19 ans, il y a un événement qui va vous précipiter dans l'islam radical. Je me mobilise. Dans quelles conditions ? Je finis mon service militaire et un jour, je rentre chez moi, donc ici, et je tombe sur un témoignage de Médecins Sans Frontières, une femme qui revient d'Yougoslavie, et elle nous signifie que ce qui nous est présenté comme des opérations de maintien de l'ordre de la police ne sont ni plus ni moins que des exactions terribles à l'encontre des civils. Et je reçois ça comme un obus de 155 en pleine face. En réalité, je vois le néant s'ouvrir devant moi. Je sais que la famille, je risque de ne pas la revoir, et je sais que je vais devoir y aller. Pourquoi ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis jeune, plein d'élan, j'ai une très bonne formation militaire. Je sais que je risque d'être efficace très très vite sur place. Mmh. Je ne doute pas de ça. Qu'ils aient été musulmans à l'époque, ça n'est presque pas significatif. Ils auraient pu être catholiques ou orthodoxes, que subissant ce qu'ils subissaient, ça ne m'était pas supportable, insupportable. Et donc j'y vais. En 1993, David part donc en voiture avec 8 de ses amis pour la Bosnie, combattre aux côtés des musulmans bosniaques massacrés par l'armée serbe. Le trajet passe par la Croatie, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'au moment même où David et ses amis traversent la Croatie, celle-ci vient elle aussi de déclarer la guerre à la Bosnie. Le groupe de David se retrouve soudain sous les tirs des Croates alors qu'ils ne sont pas encore armés. À ce moment-là, je réalise que je peux mourir avant même d'avoir rejoint les unités combattantes. Et surtout, je me rends compte que je ne vais peut-être pas voir le lendemain. Donc j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose qui me permette de ne pas chanceler. Et cette idéologie me permet un élan. Je n'ai plus peur de qui que ce soit. Alors vous parlez de cette idéologie, qui est l'idéologie... Le djihadisme. Le djihadisme, le wahhabisme. C'est ça. Mais la partie du wahhabisme que je valide, parce que c'est celle qui m'intéresse, c'est de valider de mourir martyr. Et de toute façon, je serai gagnant. La première opération qu'on va me confier, soit je l'emporte sur l'ennemi, soit il me tue et je vais au paradis. Donc quoi qu'il arrive, je suis gagnant. Dans cette idéologie, c'est ce qu'on vous dit. Et vous le validez. Et une fois que vous le validez, ça fonctionne. On peut aisément comparer ce que vous sentez à l'époque avec ce que sentent aujourd'hui tous ces jeunes qui partent faire le djihad en Syrie, en Irak. Il faut absolument avoir à l'esprit que ces jeunes-là sont persuadés d'avoir un au-delà où ils seront récompensés. Sans ça, ils ne meurent pas. Sans ça, ils ne veulent pas mourir. Vous êtes à l'époque dans cet état d'esprit-là. Dans cette logique-là. Vous êtes capable du jour au lendemain d'aller faire une opération martyre ? Opération martyre, mais j'entends bien ne jamais m'en prendre à des civils. Mais si... par voie d'explosif kamikaze, j'avais pu dégommer un poste de police ou une caserne en avant. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas ? Nous essayons à plusieurs reprises de rejoindre les unités combattantes et notre contact nous dit que c'est un chaos indescriptible, que tout est désorganisé, que ça n'est plus le moment de venir, mais que ça le sera plus tard, une fois que tout se sera stabilisé et qu'il faut que nous rentrions en France.
ce que nous faisons. Et là, je passe en mode Kouachi et Koulibaly. Je cloisonne tout. J'entends y retourner, mais je n'en parle à personne. À ce moment-là, je dors djihad. Je mange djihad. Je travaille djihad. Parce que mon objectif, c'est de retourner en Bosnie et d'être efficace. Mais personne ne le sait. Pour préparer son retour en Bosnie, David décide de rejoindre un camp d'entraînement en Afghanistan. Pendant 10 mois, il y reçoit une formation au djihad. La vraie bascule en réalité en Afghanistan, au-delà de l'entraînement militaire, c'est Émir qui m'observe. Un soir, nous avons une conversation et il me demande « Pourquoi es-tu là ?» Ça fait plus de 6 mois que je suis là déjà, il a eu le temps de m'observer. Et je lui dis que je suis là pour être martyr. Et il me demande si je suis sûr. Je lui réponds « Oui » par l'affirmative, en m'affirmant en plus. Et il me répond « Bah rentre chez toi ». Et là, je suis désarçonné. Et je comprends pas. Et je lui demande « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Et il me répond, et c'est là, c'est vraiment un moment clé dans mon parcours, il me dit « Le martyr peut être une récompense que tu vas trouver sur ce chemin ou pas. En revanche, tu dois combattre pour que le verbe de Dieu soit le plus haut. » Parce que lui pressent en moi des capacités de propagandiste ou de formateur ou de théoricien ou de stratège ou que sais-je. Donc, je suis plus intéressant pour cette mouvance actif que à me faire péter avec une ceinture. Allez vous faire exploser, ça serait du gâchis. Exactement. On peut y voir aussi donc que aujourd'hui tous ces gamins qui peuvent se faire sauter dans des opérations martyrs sont finalement peu considérés. C'est le prolétariat de la guerre. C'est la chair à canon moderne. C'est-à-dire, quand vous êtes stratège, sur vos 20 soldats, il y a 3 cons, c'est d'eux dont vous devez vous débarrasser. Donc les gars, opération suicide, c'est efficace. Vous arrive-t-il d'avoir des discussions et des frictions ? Très souvent, mais il y a un Algérien parmi nos formateurs qui est un ancien commando parachutiste algérien qui a combattu contre les Soviétiques, qui y est là-bas depuis longtemps. Et lorsque j'y vais, je dis que je suis français. Mais je parle le dialectal algérien que j'ai appris avec mes amis. Et lui, le fait que je dise que je suis français alors qu'il est persuadé que je suis algérien, ça passe pas. Et un matin, au sport, nous sommes donc avec nos kalachnikovs et nos chargeurs, en train de faire des pompes à un moment, et il m'appelle une première fois Gauri. Gauri, en algérien, ça signifie le français. Mais c'est un mot d'origine turque qui signifie le non-croyant, le non-musulman. Donc c'est une sorte de provocation. C'est ça. Il m'appelle une première fois Gauri. Je me dis, bon, il n'a pas fait gaffe, c'est pas grave. Deuxième fois Gauri, je fais, ah, haouz haj, il cherche quelque chose. Troisième fois Gauri, je me lève, balle au canon, je le braque pas, mais je tiens mon clash. Et je lui dis, appelle-moi encore une fois comme ça et je t'envoie une convocation au tribunal divin tout de suite. Lui est armé, il state également. Et tous ceux qui font des pompes restent au sol. Il n'y en a pas un qui relève la tête. Parce qu'ils savent que ça peut canarder dans la seconde. Et il y a un piaf qui se met à siffler. Ça arrête le truc plutôt que de le déclencher. Et après ça, les gens m'ont surnommé l'Algérien parce qu'ils m'ont dit, seul un Algérien est capable de réagir comme tu l'as fait. Ne nous dis plus que tu es français. Et on m'appelle Abou Muslim Jezairi. Et ça a une importance dans la suite de mon parcours parce que les Algériens du GIA qui entendent qu'il y a un de leurs compatriotes en Afghanistan qui se fait remarquer, qui plus est, n'est pas dans leur mouvance. Et ça, comment ça se fait que ce gars, il n'est pas dans notre truc ? Faut qu'on le récupère. Depuis décembre 91 et l'annulation de la victoire des islamistes aux élections législatives en Algérie, le GIA s'est lancé dans le terrorisme pour déstabiliser le gouvernement algérien et favoriser l'avènement d'un État islamique. De retour en France, David a toujours l'intention de poursuivre le djihad en Bosnie. Mais contacté par les hommes du GIA, il accepte d'embrasser leur cause. David est alors nommé émir de Chasse-sur-Rhône. À la tête d'un commando de 4 personnes, il est chargé de mettre sur pied une filière d'acheminement d'armes vers l'Algérie. À ce moment-là, le GIA n'a pas encore frappé la France. Vous allez croiser à plusieurs reprises des personnages tristement célèbres, comme Ali Touchant, Khaled Kelkal. Vous les rencontrez dans quelles circonstances ? Touchant, c'est moi qui le ramène en France, parce qu'il est bloqué en Hollande. Il n'a plus de papier ni la possibilité de voyager. On me dit qu'il faudrait le sortir de ce pétrin, parce qu'il est l'un des personnages clés du réseau que je vais devoir mettre en place. Donc je vais le rencontrer en Hollande, et je lui trouve une ressemblance avec un ami d'enfance. Donc je lui dis que je vais aller demander les papiers de cet ami pour les lui ramener afin qu'il puisse rentrer en France. Et il rentre en France comme ça. Vous rencontrez aussi Khaled Kelkal ? Dans la foulée. Dans quelles circonstances ? Je le rencontre au parc de Ternay. Il y a une vraie affinité. Et c'est un gars d'une intelligence exceptionnelle. Il est réellement brillant. Comment est-ce que vous me décrirez vos rapports avec ces deux garçons ?
très peu loquace, finalement. Quand on parle, ça parle politique, mais jamais d'objectif. Ouais. Et je me rends compte que ce qui se met en place ne ressemble pas à un réseau d'acheminement d'armes. Parce qu'on ne m'envoie pas en Bosnie, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de trajet, ça stagne. Et là, je me dis que ça sent la patate, réellement. Donc avant les attentats de Paris, avant l'assassinat de l'imam Sahraoui, c'est à partir de là que vous sentez qu'il est déterminé. C'est là que je sens qu'il faut que j'arrête avec eux. Parce que je me dis, mais c'est bizarre que rien ne se mette en place, alors que tout est là pour que ça puisse être le cas. J'en parle immédiatement aux trois autres de Chasse-sur-Rhône en leur disant il faut absolument que nous fassions défection de cette mouvance-là parce qu'il se met en place quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle et je vous conseille fortement de ne pas y être associé. Le groupe de David se désolidarise donc du GIA le 29 juin 1995. Pour David, les choses se compliquent. Le GIA a lancé une fatwa contre lui, le condamnant à mort dès le 3 juillet. Le 11 juillet, l'imam Sahraoui est assassiné dans sa mosquée et un fidèle qui s'était lancé à la poursuite des assassins tombe dans la rue sous leurs balles. Le 25 juillet, une bombe explose dans le RER B à la station Saint-Michel. C'est le début de la vague d'attentats de 95 qui va secouer la France. Fin août, David est arrêté. La police le met en garde à vue et dans la tête du djihadiste, il n'y a aucun doute, c'est la torture qui l'attend. On va vous torturer, c'est un inéluctable. C'est ce qu'on vous enseigne pendant des années. Tout le temps. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se faire arrêter vivant. Or, en fait, vous êtes en garde à vue. Je n'y ai pas droit. Et je suis étonné, on me propose à manger, on me propose à boire, on ne me torture pas, on me propose même l'assistance d'un avocat commis d'office, on me propose également une visite médicale. Donc je vois bien que ce qu'on m'a prophétisé n'arrive pas. Et c'est un premier moment où je commence à me dire... Qui sont mes ennemis dans cette histoire, en réalité? Visiblement pas l'État français, en tout cas pas au niveau auquel je m'attendais. En tout cas, ça vous ébranle, là. Énormément. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis arrivé à croire qu'ils allaient me démembrer et me torturer alors qu'ils ne le font pas? Et je sais bien qu'ils sont... Ils pourraient être fondés à le faire, étant donné le niveau de tension qu'il y a à l'époque. Mais ils ne le font pas, personne ne le fait. Et là, je réalise que je me suis peut-être trompé d'ennemi dans cette histoire. Certainement même. Mais ça ne suffit pas. Et à un moment, je décide de lire. Parce que la pénitentiaire me signifie que je ne peux emprunter que 2 livres par semaine. Donc j'entends 2 par semaine, je vais en lire 2 par jour. Mais pour de mauvaises raisons, par rébellion, par esprit de provocation. Mais au bout d'un moment, je me mets en mode rafale, j'ai une boulimie de lecture, je lis tout, le roman et le récit, je le mets de côté rapidement, mais la philosophie, l'histoire, la géographie, la technique, la biologie, la physique, tout ce que je trouve, les classiques grecs, l'Iliade et l'Odyssée, tout ça, je me jette à corps perdu là-dedans et je fais un reset total de ce que sont mes convictions politiques. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on t'accuse de terrorisme alors que c'est depuis le départ ta volonté de ne pas laisser s'en prendre à des civils qui t'animent. C'est l'arnaque totale. Je suis l'exemple que tout intelligent que vous puissiez être, vous allez vous faire arnaquer dans cette idéologie. C'est obligatoire. Pour peu que vous adhériez, car elle est là la clé, vous allez vous faire arnaquer. Comment est-ce que vous vous sentez alors à ce moment-là? En réalité, la grande difficulté dans cette histoire me concernant, c'est de ne pas perdre la foi. Politiquement, idéologiquement, c'est la lecture qui me sauve. Socialement, citoyennement, c'est le traitement qui m'est réservé qui me sauve. Mais aujourd'hui, le fait que je n'ai pas viré fou, c'est que j'ai pu conserver cette foi qui était celle de départ que m'avaient transmise les pères de mes amis. Vous y avez repensé à présent ? Tout le temps, parce que j'ai sali leur islam. Le vrai choc, un jour, a lieu. J'ai un co-détenu qui n'est pas dans ma cellule, mais qui est dans mon aile. Et il vient me voir, il me dit que gamin, avec son petit frère, sa mère les prend prise de terreur. Elle fuit, terrorisée, cette pauvre femme. Et elle veut atteindre la zone libre. Sauf qu'elle n'a pas d'Ausweis. Et il me dit, et là, quand il me dit ça, je sais ce que c'est pour un gitan que de faire ce genre d'aveu. Il ne me le dit pas à la légère. Il me dit que sa mère, pour se sauver... Elle et ses 2 enfants, elle était une belle femme et offre ses faveurs à un officier qui lui signe un Ausweis.
J'en ai des frissons rien que d'en parler aujourd'hui, parce qu'il me transmet un truc, ce gars-là, à ce moment-là, sur cette conversation-là, le temps s'arrête, l'univers se fige, il n'y a plus d'espace, il n'y a que lui et moi. Et réellement... Il me fait don d'une humanité que je pensais avoir perdue en réalité. Et réellement, qui pourrait bien condamner cette preuve d'amour ultime qu'elle a eue pour ses enfants à se sacrifier charnellement pour sauver la vie de ses deux fils? Qui pourrait condamner cette femme-là? Et je réalise que l'idéologie wahhabite la condamnerait, sans la moindre hésitation. Je ne peux plus assumer ce truc. Je réalise l'aspect criminogène de celle-ci, l'aspect fasciste de celle-ci. J'exagère pas en disant ça. Alors, j'attends le premier qui me fera un procès en islamophobie avec mes propos. L'islam a un problème. Dire que ça n'est pas l'islam, c'est manquer de respect aux victimes. Dire que les assassins ne sont pas musulmans, c'est manquer de respect aux victimes. Ils n'ont pas dit Bouddha Akbar. Le mec crie Allah Akbar. Et on vient me dire c'est pas l'islam, c'est pas les musulmans. On ne peut plus tenir ce discours. En tenant de tels propos, David a décidé de s'engager personnellement. Le verdict de 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui a été prononcée contre lui à cette époque lui était apparu non pas comme une condamnation sans appel, mais plutôt comme une seconde chance. On considère que, passé ce temps-là, j'ai une chance de me refaire une place dans ma société. Mmh. C'est un message d'optimisme phénoménal. C'est un peu comme si ma société croyait plus en moi que moi-même, dans ma capacité à me réintégrer dans une vie normale. Dans quel état est-ce que vous sortez de prison ? L'une des étapes clés également de mon retour à une vie normale est lorsque je rencontre la mère de ma fille. Et je réalise à ce moment-là que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas une once de féminité dans mon parcours. Rien. Une once d'amour, même. Rien. Mm-hmm. L'amour, on n'en parle pas. Mais j'ai été un moine soldat pendant près de 10 ans. Vous vous révélez aussi être quelqu'un de très sensible aux femmes, en tout cas à la sensibilité féminine. Parce qu'elles sont les seules aujourd'hui dans ce pays à avoir le courage à s'opposer à ce qui est en train de se répandre, parce qu'elles savent, de façon intrinsèque, ou de façon relevant du genre, quel est le sort qui leur est réservé. Elles en sont conscientes. Elles sont les premières à monter au créneau, comme l'ont fait les Tunisiennes, comme l'ont fait un tas d'autres femmes dans un tas de pays, parce qu'elles savent très bien quel est le projet et quelle est leur place dans ce projet. Vous oubliez pratiquement celles qui sont les plus importantes aussi. C'est que la rencontre se fait à nouveau avec vos sœurs et votre maman. Qui me réintègre dans la place que j'avais laissée vacante quelques années auparavant. Mm-hmm. Ma fille également est celle qui cloue finalement définitivement mon retour à une vie normale. Le jour de sa naissance, je tourne enfin la page sur mon passé. Elle me permet enfin de me projeter dans l'avenir. Mm-hmm. Ce que je souhaite pour ma fille, c'est qu'elle soit traitée à l'égal de tous ses camarades masculins. Je souhaite qu'elle ait le même salaire à compétences égales que tous les hommes en fonction. Mmh. Je souhaite qu'elle puisse réussir une carrière politique, artistique. Je veux que ce pays puisse, comme elle l'a fait avec moi à l'époque, lui offrir tous les possibles. Qu'est-ce que vous ne voulez pas pour cette petite fille ? Une société avec une grille de lecture confessionnelle. Une société où quelqu'un peut l'insulter parce qu'elle ne porte pas le voile. Une société où elle ne sera jamais l'égale d'un homme. Une société où elle ne peut pas avoir le choix de se marier avec un non-musulman. Tout ça, j'en veux pas. David est un papa très protecteur pour sa fille. Elle vit chez sa mère, mais il la voit régulièrement. Pour lui, l'éducation est fondamentale. C'est pas du piano qu'il faut que tu apprennes, c'est le droit. Parmi les femmes qui ont compté pour David, il y a Sabrina et Laetitia, ses sœurs. J'ai du caractère. Du caractère, ouais. Il s'infirmait là déjà. C'est vrai. En fait, je vous avais mandaté d'être mes ambassadrices pour revenir voir maman. Oui, bah oui, ça, histoire exactement. De... Histoire de renouer c'était les liens. Voilà. Qui avait réussi à... Oui. C'était ça. Des jolies retrouvailles quand même. Ouais. Des émouvants et tout. Bien sympathique, ouais. Mais au début, elle ne pensait pas que j'étais revenu sur Terre. Hein. C'est vous qui l'en avez convaincue. Oui, tout à fait. Ouais.
Nous nous retrouvons chez Sabrina, la plus jeune, en compagnie de son ami Jérémy. À l'époque, ni leur mère aujourd'hui décédée, ni les deux sœurs n'avaient compris les choix de David, mais elles se souviennent qu'il avait beaucoup changé. Il a essayé de nous infliger justement à faire la prière. Les infliger. C'est oui. Un mot qui est fort, ça, infliger. C'est la vérité. Hein. Ouais. Plus manger de porc. Ça commence à être un peu difficile, quoi. Mmh. Quelle était votre réaction par rapport à ça? Vous étiez dans l'opposition avec lui? Il était constamment derrière moi et tout. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Et puis bon, moi, je me laissais pas faire non plus, parce que j'avais du caractère, j'avais du répondant et tout. Ça a été une période très difficile. Donc vous n'êtes pas au courant à l'époque de ce projet se battre en Bosnie. Non. Alors finalement vous vous retrouvez, vous êtes retrouvés. Il n'y a plus l'ombre d'un doute sur ce frère qui sort de prison et qui est revenu sur terre. Mmh. Et puis moi quand je le vois je fais table rase du passé en fait. Je suis même plus fâchée tout ça. Vous êtes plutôt heureuse de revoir votre frère. Ouais, je suis heureuse, ouais. Ouais, je suis contente, ouais. Donc moi, j'oublie tout et on repart sur une nouvelle base, quoi. C'est l'impression que vous avez qu'il est revenu comme avant, parmi vous? Oui, il n'y a même pas l'ombre d'un doute de savoir ce qui s'est passé à travers le bouquin. Il y a aussi le combat aussi qui s'amorce. Mm. Vous êtes fière de ce combat que mène David? Complètement, oui. Ouais. Ah, oui très oui. Fière, vraiment. Et on le soutient et on l'encouragera jusqu'au bout, quoi. Et c'est courageux. Vraiment. C'est vraiment courageux parce qu'il pourrait se cacher, ne pas en parler, et au contraire. Vraiment, moi, je suis à 100% avec lui. Hein. Le combat de David aujourd'hui, c'est d'alerter l'opinion publique, les médias, mais surtout les responsables politiques face aux dérives de l'islam. Un combat difficile pour un ancien djihadiste qui doit d'abord faire admettre qu'il a vraiment changé. Aujourd'hui encore, j'ai des concitoyens de mon pays qui n'ont pas compris que je suis dans leur camp, qui n'ont pas compris que je suis un républicain, qui n'ont pas compris que je veux défendre la laïcité, comme si un être humain ne pouvait pas évoluer. L'un des médias que David utilise pour faire passer son message est Internet. Il écrit des articles sur le Lyon Bondy blog, un blog citoyen qui donne la parole aux jeunes des cités sur des sujets d'actualité. Donc on a la permission de diffuser leur son en fond. Ah oui, pas de problème sur d'accord. Ça. Du coup, ces sons, lui, ils sont juste au début, donc tiens, je vais te faire écouter. À l'époque, Asdine, en tant que président du Lyon Bondy Blog, avait été l'un des premiers à tendre la main à David pour lui permettre de faire passer son message. Pour David, qui connaît parfaitement le mécanisme de la radicalisation islamique, il y a clairement un problème dans les mosquées. Certains ouvrages qu'on y trouve seraient plus que tendancieux. Ce livre, on le trouve dans toutes les mosquées françaises? Toutes. Ok. C'est-à-dire que demain, je vais dans n'importe quelle mosquée et je trouve ce livre? S'ils ne l'ont pas le jour même, ils l'auront le lendemain. D'accord, très bien. C'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a des milliers comme lui. Mais le jeune croyant, le néophyte, lorsqu'on lui remet ce livre, il voit que c'est la voix du musulman. Je lis l'arrière du livre. « Ainsi, tout musulman qui suit les enseignements exposés dans ce livre est, sans aucun doute, sûr de se conformer à la loi divine. » Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre alors? C'est édifiant. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous abordons par exemple le statut de l'apostat. Donc définition, deux points. C'est le musulman qui renie sa foi et devient juif ou chrétien, ou athée ou communiste, de son propre gré, sans qu'il y soit contraint. Ça s'attaque typiquement à la liberté de conscience, qui est garantie par notre constitution. Statut légal de l'apostat. Statut légal. On le convie durant 3 jours à revenir à sa foi. S'il refuse, on lui inflige la peine de mort en application. D'accord. Qui est l'auteur de ce livre? Abou Bakr Djezairi, qui est professeur à Médine. Donc il ne peut pas produire quoi que ce soit sans que ce soit validé par la monarchie en place wahhabite. Vous êtes jeune pratiquant. Vous rentrez dans une mosquée dont l'imam vous inspire confiance. Mmh. Et il laisse ce livre à disposition dans la bibliothèque. Vous le lisez pensant que lui l'a validé, quoi qu'il en soit. Bien sûr. Puisqu'il est dans cette bibliothèque. Bien sûr. Vous allez donc le valider à votre tour, que celui-ci est bien recevable. Autre exemple de ce qui se trouve dans ce livre. La punition de la sodomie est la lapidation jusqu'à la mort, qu'on soit marié ou non. C'est-à-dire que ce sont des écrits idéologiques qui vont tréfouiller jusque dans la vie intime des gens. Je suis atterré.
réellement atterré de voir que des imams peuvent tenir des discours s'agissant de comparer nos enfants à des singes et des porcs lorsqu'ils écoutent de la musique parce que les assassins du Bataclan ne voyaient plus des êtres humains mais des singes et des porcs. Je fais le lien. Il y a un lien. Là, il serait temps de le réaliser. Vous faites clairement allusion à un imam qui est à Brest, hein, pour ne pas le citer. Cet imam qui a comparé les gens qui écoutent la musique à des porcs et à des singes. C'est ça. Pour moi, des mosquées en France, il en faut. Mais c'est seulement c'est ce qui est dit qui doit être, pas filtré, mais qui doit être interdit. Seulement, le politique a peur qu'il soit taxé d'islamophobe. Voilà. Et donc, à un moment donné, non. Il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, les musulmans ne demandent que ça. Réellement, il va falloir à un moment ne plus craindre ce procès en islamophobie parce que à quel point je suis islamophobe quand je lis qu'un imam peut valider que je me fasse tuer si j'arrête ma prière au bout de 3 jours. J'ai peur de ce prosélytisme pour peu qu'on le laisse se répandre, car plus il se répandra et plus il sera difficile de le contrecarrer. Ça m'insupporte au dernier degré de laisser se répandre cette idéologie dans un pays qui a été le phare des droits de l'homme, qui s'est endormi sur ses lauriers, qui a cru que la laïcité pouvait se porter d'elle-même. Jamais de la vie. Parce qu'en face, on a des gens qui, eux, travaillent comme des fourmis, hein, tous les jours. C'est des bénédictins, les mecs, hein, ils n'arrêtent jamais. Et nous, on est là, oh, mais non, c'est bon, on a tout calé, le religieux, il n'a plus rien à faire dans la cité. Ben, il revient, le religieux. Il revient fort. Il revient dardard. Face au problème, Asdine pense que David a un rôle déterminant à jouer. Il est l'un des mieux placés pour alerter les jeunes sur les risques de manipulation. David, il faut qu'il aille parler dans les lycées. Il faut qu'il aille là où il y a des jeunes. Il faut qu'il aille voir là où ils sont encore 16 ans, 17 ans, et qu'il pose des questions, et qu'il va faire part de son expérience, et qu'il explique pourquoi l'autre façon de voir la vie est complètement fausse. À un moment donné, lui, il a son passé qui plaide en sa faveur. On ne peut pas mettre en doute ses écrits. Ce gars, il devrait être payé pour aller parler aux jeunes radicaux, radicalisés, que ce soit en prison ou dehors, sachant que ça se passe souvent dehors. David ou Rachid Benzim ou Abdennour Bidar, des gens comme ça, ils ont des bagages. Ils peuvent aller leur parler. Mais eux, on les envoie pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie du sérail. À un moment donné, la source, c'est cette pensée qu'il faut arrêter. Il faut à un moment donné que la France dit il y a certaines pensées musulmanes qu'on accepte, certaines interprétations musulmanes qu'on n'accepte pas. Parce que si je vois dans Milivilud qu'il y a énormément de congrégations chrétiennes qui sont interdites, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas pareil avec les musulmans. Les musulmans sont citoyens comme tout le monde, ils doivent voter des politiques, et les politiques, eux, ont le pouvoir, c'est à eux d'être courageux, et ils ne le sont pas. Le discours de David commence à être entendu. Le CNRS lui a ouvert ses portes et il participe à des groupes de réflexion face à des politiques et des acteurs sociaux à l'échelle européenne. Le terrain que nous maîtrisons est celui de la liberté d'expression, est celui des droits de l'homme, est celui de la démocratie, tout perfectible qu'il soit. Et le pari que fait notre ennemi, c'est que nous ayons des doutes s'agissant de nos valeurs. Il serait temps que nous nous réaccaparions celles-ci, réellement, notamment s'agissant de la laïcité, ce qui est le seul moyen pour nous tous, quelles que soient nos convictions ou pas d'ailleurs, de vivre ensemble. Si nous commençons à avoir une société qui se fracture sur une grille de lecture confessionnelle, nos adversaires auront gagné. Il faut vraiment être vigilant. Pour David, si la laïcité est une base primordiale, il ne faut pas en rester là. Il reste beaucoup à faire. David se veut optimiste. Pour lui, les solutions existent pour peu que tous les acteurs se mettent au travail et s'associent à ce combat. Il est déjà gagné pour peu que nous nous y mettions sérieusement. Nous avons tout pour réussir, idéologiquement, philosophiquement, culturellement, historiquement. Il suffit de l'organiser. Il faudra des psychologues, des pédopsychiatres, des psychiatres, des sociologues, des islamologues, des historiens, des anciens comme moi djihadistes. C'est-à-dire que je n'entends pas moi seul apporter la recette s'agissant d'avoir la solution. Mais en revanche, je fais partie des ingrédients qui feront partie de cette recette. Mais il faut se mettre au travail dès maintenant. Vous savez qu'à un moment, vous vous exposez à être en danger vis-à-vis de ces personnes radicalisées. Je gère et la peur et le danger, c'est mon problème. Ça, c'est... Et de toute façon, alors, je ne cherche pas à mourir martyr pour la République. Hein. J'ai bien l'intention d'arriver à un âge où ma fille se moquera de moi parce que j'aurai des cheveux blancs et plus une seule dent. Il faut quand même relativiser. Je ne suis pas Jean Moulin dans la France occupée par les nazis. Et de toute façon,
quand bien même mes adversaires arriveraient à m'éliminer, que j'ai déjà gagné, puisque sur mon certificat de décès sera estampillé République française. Donc j'ai déjà gagné. Avec David, j'ai eu le sentiment de rencontrer un homme particulièrement courageux. Courageux d'avoir su publiquement reconnaître ses erreurs du passé. Courageux de s'exposer comme il le fait aujourd'hui, face à un danger que personne ne peut plus ignorer. C'est maintenant à Rouen que je vais rencontrer William. Salut Olivier. William, comment ça va? Bienvenue. J'ai plaisir de voir. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Alors cette manière de saluer qui peut surprendre les gens qui nous regardent ce soir, en fait, vous saluez tout le monde comme ça aujourd'hui. L'amour, c'est comme ça. Il faut une étreinte, il faut de la chaleur. Merci de m'accueillir ici dans ce temple Vaishnava, dont vous êtes moine aujourd'hui. Alors, Vaishnava, c'est hindouiste. Oui, c'est ça, c'est hindouiste. Mais l'hindouiste, comment dire, c'est quelque chose qui est ouvert d'esprit, quoi. C'est pas quelque chose de sectaire, de fermé, juste à une pensée. Voilà, c'est la maison de Dieu, la maison pour tout le monde. Et Vaishnava, ça veut dire dévot de Vishnu, en fait, voilà. Vishnu qui a un nom de Dieu en Inde. Cela peut paraître surprenant, mais William, aujourd'hui moine hindouiste qui enseigne la paix, est un ancien skinhead. Un des membres les plus durs que ce mouvement a connu au début des années 80 à Paris. Depuis plus de 10 ans, William prêche la non-violence, y compris dans les milieux les plus marginaux. En fait, j'ai beaucoup de gens qui me contactent et qui me remercient. Ou même j'ai des gens qui me téléphonent parfois sur le point de... Même je me rappelle, hein, à minuit, il me téléphonait, il avait une arme dans la main, il voulait se tirer une balle dans la tête. C'était un skinhead. Et il m'a dit comme ça, Willy, faut que je te parle, voilà, je veux me mettre une balle dans la tête, aide-moi. Et puis du coup, après, ça l'a libéré. Donc bien sûr, c'est pour ça que je fais ça. Sans ça, j'aurais pas besoin de parler de ce passé, etc. J'aurais plutôt enterré les choses. Avant, je frappais sur les gens. Maintenant, j'aide les gens. Pour comprendre qui était William, il faut remonter le temps jusqu'à la fin des années 70. Je suis né à Levallois-Perret. Et mes parents, après, ils ont déménagé. Et ils ont été sur Bagnolet. Sur Bagnolet? Ouais, c'était les premières cités, quoi. Les cités, on apprend très vite une chose, c'est qu'il faut se faire respecter. Tu as besoin de deux points. Mm-hmm. Tu as besoin de savoir frapper. Si tu ne sais pas frapper, alors tu es dépouillé. Même quand tu es enfant, on prend ton argent, on prend tes billes. Donc naturellement, il y a un processus où tu dois faire ta place et grandir. Vos parents font quoi comme boulot à... Ouais, mon père, moi, il est fonctionnaire, quoi. Et ma mère, elle est à la maison, quoi. Mais l'ambiance à la maison, un peu spéciale quand même. Mon père, c'est quelqu'un qui buvait pas mal, quoi. Ouais. Donc, je peux pas dire que j'ai connu mon père une fois à jeun, quoi. Ce qui fait de vous un enfant tout de suite dur. Ah, c'était terrible, quoi. J'étais vraiment un enfant vraiment désagréable, grossier, qui écoutait vraiment pas, quoi. Et si on m'interdisait de faire quoi que ce soit, je pétais des plombs, quoi. Je mettais des coups de tête dans les murs, tout ça, quoi. Ouais, déjà, en fait, tout petit, j'avais quand même une graine de violence en moi, quand même, quoi. J'ai volé mes premières voitures, je devais avoir 12 ans, je fracturais les caves, je faisais que des choses comme ça. Et naturellement, quand quelqu'un prend de la drogue, tu dois prendre de la drogue. Quand quelqu'un boit, tu dois boire. Quand quelqu'un vole une voiture, braque un magasin, t'as pas le choix, en fait. Si tu veux avoir cette réputation et toujours être respecté, tu dois suivre, t'as pas le choix. Le mouvement. C'est un engrenage, quoi, finalement. Alors, c'est à 14 ans, en fait, que vous voyez pour la première fois un homme, lors d'un voyage à Londres, je crois, qui va marquer votre esprit ouais. Fortement. Ouais, je me rappellerai toujours, j'étais à cette école-là, j'étais parti
avec la classe en Angleterre. Bah déjà, là, je commençais vraiment à triper punk, etc. quoi. Et donc, j'étais au Puce de Londres et quand j'ai vu cette personne rasée en bombers, il déambulait dans les rues en regardant les gens avaient peur de lui, ça me paraissait énorme, quoi. J'avais l'impression qu'il prenait toute la place, ce gars-là. Et ça a fait une empreinte parce que je me suis dit, tiens, ça, c'est quelque chose qui répond à mon attente beaucoup plus qu'à ces gens dans les cités, finalement, qui sont forts parce qu'ils sont en groupe, quoi. Mm-hmm. Et là, j'ai vu une personne qui dominait tout le monde, quoi. Comme un... Tout puissant. Un tyran, ouais, vraiment comme quelqu'un qui sème la terreur, quoi. Et c'est vrai que ça m'a fasciné parce que j'avais pas retrouvé dans cette cité des gens qui avaient un tel charisme. Mmh. Quelques mois plus tard, cette apparition va prendre tout son sens. À 14 ans, pour éviter que William ne sombre encore plus dans la délinquance, ses parents l'inscrivent dans un lycée privé rue d'Assas à Paris. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'à l'époque, ce quartier est réputé pour être un fief d'extrême droite et évolue des bandes de skinheads. William fait vite le lien entre cette silhouette londonienne et ces bandes de jeunes extrémistes. Ça a été tout un trip à l'intérieur de moi-même. Parce que comme je les voyais, je voyais comment ils marchaient, je voyais comment ils regardaient les gens, je voyais comment ils étaient violents. C'était des gens qui étaient quand même racistes, qui étaient nationalistes. Et mon père, il était quand même pas très clair non plus à ce niveau-là, voilà. Et en fait, j'ai cultivé ça, et graduellement, j'ai commencé à prendre leur démarche. J'ai commencé à me friter avec des gens. Et j'étais petit, et j'arrivais à friter des gens plus grands que moi, plus âgés que moi, etc. Donc, c'est des choses qui m'ont fait prendre de l'assurance. Les gens ont commencé à avoir peur de moi. Et puis, un jour, en fait, ça a été vraiment comme le défi, il faut que je prenne leur look. Maintenant, il faut que je puisse entrer dans un gang. Et à partir de là, je suis devenu un skinhead dans le noyau dur des bandes, en fait, quoi. Et là, je me suis mis graduellement à rejeter la famille, à rejeter tous mes anciens amis. C'est un peu comme une secte, quoi. C'est le gang ? Ouais. Et là, j'ai commencé vraiment à développer la haine, vraiment. Alors, en France, dans les années 80, il est en train de naître, ce mouvement. On commence à en entendre parler. Et moi, j'avais peur de vous. J'avais très peur. Est-ce que j'avais des raisons d'avoir peur de vous ? Ouais. Disons que la mentalité d'un skinhead à cette époque-là, c'est quelqu'un qui devait véritablement être extrêmement violent avec les gens opposants. En fait, tous les gens qui avaient des looks, on les laminait. J'avais un look. Alors, tu aurais été laminé. Mmh. Je me suis mis véritablement à frapper des gens, à sauter à pieds joints sur leur tête, quoi. À mettre des coups de couteau, des coups de barre de fer. Mais vraiment, à laminer les gens, les laisser vraiment... Il y en a même peut-être qui sont morts, quoi. Mmh. Moi, je me rappelle quand on défonçait des gars, on en parlait en rigolant. Toi, comme si c'était quelque chose de merveilleux. C'était le plus beau jour de la vie, de laisser un pauvre gars par terre, tout en sang, toi, avec les yeux révulsés. Toi. Tu vois, c'était la joie. Tu deviens heureux du mal que tu as fait aux autres. Et tu deviens un monstre. Quoi. En 84, William est à 100% immergé dans le milieu skinhead. À cette époque, ses bandes ne sont pas encore politisées. Même s'il adopte des tatouages et des insignes nazis, la seule chose qui l'anime réellement, c'est sa soif de violence. Pour aller encore plus loin, William fait partie des premiers hooligans français. Les soirs de match autour du Parc des Princes, ce sont de véritables scènes de guerre. Il se bat contre des supporters et des CRS à coups de couteau ou de hache. William n'a plus de limites, totalement inconscient de la souffrance qu'il peut faire subir aux autres. Une fois, un gars, il m'a regardé, juste, il s'est retourné. Je lui ai frappé dessus d'une manière démesurée. Et quand je le frappais, en fait, dans la tête, à un moment, sa tête, elle s'est rapprochée d'une roue de voiture. Et sa tête, elle était entre la roue de la voiture et le trottoir. Et je lui ai enfoncé la tête, en fait, avec mon pied dedans. Et donc, la personne avait plus de conscience. Et j'ai été joué à 5 mètres plus loin, le flipper. Donc les flics sont venus me chercher. C'est pour te dire à quel point tu es déconnecté du monde. Tu es déconnecté du monde. Et tu te rends compte, tu fracasses une personne comme ça et tu vas jouer à 5 mètres au flipper à côté. Mm-hmm. Elle était morte, cette personne ? Non, non. En fait, j'étais mineur à cette époque-là et j'ai été jugé.
Et c'est mon père qui a dû payer les réparations, quoi. Et mon père, il m'a demandé un repentir, quoi. Mais je lui ai dit, démerde-toi, c'est ton problème, quoi. C'est pas le mien. Vous étiez un chien enragé, quoi. Ah, terrible. Sans conscience. C'est terrible. À 17 ans, William n'est animé que par la haine. Un événement va pourtant faire naître en lui ses premiers doutes. Lors d'un concert, deux de ses meilleurs amis se font tirer dessus par une bande rivale. Dans un gang, il y a une fraternité qui est forte, quoi. Parce que pour toi, ces gens-là, c'est ta famille. Toi. Et naturellement, je me rappelle, ça devait être 10h du soir, 11h du soir, le téléphone sonne comme ça. Et je prends le téléphone. On me dit, ouais, voilà, un tel, il a pris une balle dans la tête. Il est mort et notre pote, voilà, il a pris une balle dans la colonne vertébrale et là, il est entre la vie et la mort. Et là, quand j'apprends ça, bah, disons que il y a vraiment une prise de conscience que voilà, j'éprouve des sentiments envers quelqu'un alors que j'avais plus la possibilité de comprendre des sentiments. Et là, c'est une chute, quoi. C'est une chute parce que ces sentiments-là, quelque part, il m'amène des émotions, des interrogations, quoi. Et d'ailleurs, je me rappelle le lendemain, quand j'ai été voir cet ami à l'hôpital, quoi, et quand je l'ai vu dans une bulle avec des tuyaux partout, etc. Et ouais, j'ai pleuré, quoi. Je divaguais dans la rue, je comprenais plus rien, quoi. Je me suis posé des questions. Cet épisode n'est que le premier d'une série qui va progressivement éveiller la conscience de William. Peu de temps après, c'est sur un banc de métro que le jeune homme connaît un second déclic. Il y a un maghrébin qui vient à côté de moi et il me dit « je peux m'asseoir à côté de toi ?» Alors je le regarde, toi, mais j'ai le choc, toi. Alors je lui dis « ouais, pas de problème, assis-toi, toi. » Il s'est assis à côté de moi et j'ai senti quelqu'un qui avait de la compassion. Et il m'a dit « pourquoi tu t'habilles comme ça ?» Et là, c'était un deuxième choc. Toi, c'est une deuxième claque. Et je me lève, tu vois. Et j'étais complètement déstabilisé, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je le frappe. Et tu vois, tout le monde me regardait, parce que tout le monde me regardait, quoi. Tu vois, c'était vraiment l'ambiance. Qu'est-ce que le gars, il va faire, tu vois. Et j'ai rien pu faire et je suis parti, tu vois. Et bah, cette scène-là, vraiment, c'est quelque chose qui a fait que j'ai pu comprendre ma stupidité. Et là, ça a été pour moi véritablement une première marche, quoi, vraiment, mais puissante. Puissante. Puissante, quoi. Et c'est à partir de là, donc ces différents épisodes où après, cette réflexion et ces vagues de bonté, de plus en plus, sont venues à moi. Et j'ai senti vraiment cette haine se dissoudre, quoi. Et après, je me retrouvais avec des gars, par exemple, du clan, tu vois. Et finalement, quand je devais me taper avec quelqu'un, j'arrivais plus à assumer cette position. Ces vagues qui venaient me chercher, c'est quelque chose que je comprenais pas. C'est quelque chose qui venait me chercher malgré moi. Et ça me faisait découvrir, quelque part, une autre réalité de moi-même. Et c'est ce qui m'a permis de décrocher vraiment de cette haine. Sans ça, ça aurait été difficile quelque part. Et ce qui a été d'autant plus dur pour moi, c'est que les skinheads venaient me rechercher. On était des icônes. Et je crois que le plus dur pour moi, ça a été à un moment, il y avait une fille de la bande, j'étais au café, j'étais seul. Bon, et elle vient s'asseoir en face de moi. C'est comme le passé qui venait me rechercher, tu vois. Et elle me dit comme ça. Tu veux tout oublier, c'est ça? Tu veux tout oublier ce que t'as fait, c'est ça? Elle me dit, t'es un lâche. Parce que toutes les saloperies que t'as fait, tu peux pas faire comme si t'avais rien fait. Et ça, cette période de ma vie, ça m'a fait comprendre que j'avais pas la force d'effacer toutes les choses que j'avais fait. Et pour moi, c'était difficile à vivre, quoi, vraiment. Quoi. Comme si vous n'alliez pas réussir à vous sortir de ce passé. De skinhead. Par moi-même, non, c'était pas possible. Progressivement, même si c'est difficile, William abandonne sa vie de skinhead. Il coupe les ponts avec ses anciens amis, adopte un autre look et rencontre une femme dont il tombe amoureux. Pour lui qui n'a eu que des relations éphémères au sein de son gang, c'est une nouvelle découverte.
ce lien avec cette femme, bah, ça m'a apporté un équilibre aussi. Mmh. C'est un équilibre d'affection, un équilibre de vouloir fonder un foyer, etc., d'avoir des responsabilités, quoi. C'était la première fois que vous vous projetiez en tant qu'homme ? Ah bah ouais. Un être haineux, qu'est-ce que tu veux qu'il se projette sur quoi ? En tout cas, cela se concrétise par un projet, ouais. Celui de partir en Guyane, où vous allez aller tous les deux. Ouais, elle m'a invité à aller là-bas parce qu'elle voulait aller là-bas, donc j'y ai été, quoi. Et voilà, j'ai découvert un autre pays. J'ai été coupé de mes amis, tout ça, donc il a fallu que j'évolue dans un autre environnement, mais complètement différent. Donc entre les rues de Paris et les rues de Cayenne, où j'ai envie de vous dire qu'on n'entend pas de rock'n'roll, mais plus du reggae ou du zouk, et que les gens autour... Les skinheads, ça ne doit pas être vraiment leur tasse de thé. Ouais. Là, comment ça se passe ? Alors, il se passe une ambiance un petit peu différente. C'est que déjà, il fallait que je m'assume. Il fallait que je trouve un boulot, il fallait que j'assume un foyer quelque part. Et donc, j'ai trouvé un boulot sur la place des Palmistes. Et quand je suis arrivé, donc, j'ai commencé mon service. Donc, je m'occupais des achats pour le restaurant. Et ça m'a fait un choc parce qu'il y avait 15-20 employés guyanais et personne ne me regardait, personne ne me disait bonjour, personne ne voulait m'adresser la parole. Ça s'appelle comment ce qu'ils étaient en train de faire ? Du racisme en fait. Ah. Ah ouais, du racisme. Donc moi qui avais été comme ça, tu vois, qui avait la haine, et ben cette haine-là, elle m'était projetée, quoi. Et là, ça m'a fait un choc parce que je me suis retrouvé dans cette... Posture, quoi, tu vois. Et j'ai compris à quel point la haine, c'était stupide. Et à un moment, ça s'est complètement décoincé. Ils se sont mis à bien m'aimer, à m'appeler Doudou William, par exemple, etc. Et de là, après, j'ai commencé à me lier d'amitié, en fait, avec les Blacks, quoi, tu vois. Écouter leur musique, rigoler avec eux. Donc, j'ai découvert un univers qui était complètement différent. Bah, ça m'a donné une expérience et, voilà, une autre vision de la vie, quoi, qui était une belle expérience, toi. Et donc, voilà, on a changé de façon un petit peu de vivre. Et moi, j'ai été vers plus une vie spirituelle, quoi. J'ai commencé à avoir à méditer, tu vois. Et j'ai commencé à rencontrer l'Amazonie, cette forêt, tout ça. Et là, pour moi, ça m'a amené une rééducation parce que j'ai ressenti que la nature était vivante. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette spiritualité, il y a quelque chose qui l'a déclenché C'est quelque chose qui est venu dans mon cœur, vraiment, toi. C'est quelque chose que j'ai senti, c'était vraiment un appel, mais tellement fort, quoi. C'est quelque chose que j'ai vécu au plus profond de moi-même. Et quand je marchais, par exemple, dans cette forêt, j'avais vraiment l'impression d'être en harmonie avec la création, vraiment, de Dieu, quoi. Et c'était vraiment une expérience merveilleuse avec les insectes, les papillons qui se posent sur toi. Tu vois des animaux sortir, te regarder. Tu vois que, voilà, qu'il y a une sorte d'harmonie qui te prend et qui fait que t'es plus quelque chose qui sème le trouble. Et puis un soir, je me suis dit vraiment, j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie aussi de, quelque part, de me racheter, quoi. J'avais besoin de quelque chose de concret. Et à partir de là, au même niveau que j'avais fait du mal, je voulais au même niveau donner ma vie pour faire du bien. Et ça a été un choix, mais fort. C'était quelque chose qui était complètement entré en moi, quoi. Et ça a été le début, en fait, de ma vie spirituelle intense, quoi. Ce séjour en Guyane marque le début de la vie spirituelle de William. Lorsqu'il revient en France, il prend un virage radical. Dans ma vie passée, pas dans cette vie, mais ma vie passée, j'ai cultivé la haine. Mais cette haine-là, elle m'a simplement amené dans une telle obscurité que je ne pouvais pas voir la beauté chez les êtres. Alors que quand j'ai été vers l'amour, j'ai découvert un monde qui était sans frontières, sans nationalité, sans couleur de peau. Avant de devenir le guide spirituel qu'il est aujourd'hui, la première raison pour laquelle William s'est tourné vers Dieu, c'est pour demander pardon. Il fallait que je puisse payer ma dette, il fallait que je puisse rembourser. Et à partir de cet instant-là,
J'ai voulu consacrer ma vie à Dieu. J'avais plus que ça en moi. Et ça, cette chose-là, c'est quelque chose qui a dérangé ma femme, quoi. Parce qu'elle avait l'habitude d'un homme dur, quoi. L'ancien voyou, etc. Et là, d'un seul coup, je suis devenu tendre. Tout amour. Tout, ouais. Et là, elle s'est dit, c'est quoi? C'est une transformation totale, quoi. Que moi, c'était pas ma faute, quoi. Je faisais pas un cinéma. Voilà, j'étais transformé. Et donc, naturellement, graduellement, bah, notre relation, bah, il y avait plus de sens dans notre relation. Et ça s'est coupé, quoi. Mm-hmm. Comment cette rencontre avec le Vaishnavisme se fait? En fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami, donc, qui m'héberge. Quand je me suis séparé avec ma femme, chez lui, suis rentré en contact de livres qu'on appelle Shrimad Bhagavatam, qui est un livre védique, quoi. Donc c'est la connaissance de l'Inde, pour simplifier. Et quand je suis rentré donc contact de cette connaissance, c'est quelque chose vraiment qui m'a parlé. En fait, le principe du Vaishnavisme, c'est un éveil constant. Mm-hmm. On doit toujours aller vers une perfection plus grande, quoi. Devenir toujours plus petit. Et donc, bien sûr, c'est un chemin où on apprend véritablement à devenir un bon instrument pour la société, mmh, et pas quelque chose qui dérange. Pour approfondir ses connaissances du Vaishnavisme, à partir de 1997, William fait plusieurs séjours en Inde aux véritables racines de cette religion. Fred est l'ami de William depuis plus de 20 ans. C'est l'un de ceux qui l'a accompagné plusieurs fois en Inde. Issu d'un milieu moins extrême, le mouvement punk, Fred a bien connu cette période des années 80 où sévissaient les gangs à Paris. Il connaissait la réputation de William. C'est vrai qu'il terrorisait un peu tout le monde à l'époque, tu vois. On rasait les murs quand on les voyait. Ouais. Mais bon, voilà, pour moi, ça faisait partie du paysage rock'n'roll à Paris à cette époque-là. Vous connaissez William depuis... Depuis 1992. J'étais avec un pote à la terrasse d'un café à Barbès. Et tout d'un coup, on l'a vu un van se garer dans la même rue, quoi. Une bande de personnages un peu atypiques en sortir. Et parmi eux se trouvait William, qui a reconnu mon pote, donc il s'est dirigé vers nous. Votre ami vous dit, c'est lui? Il me dit, tiens, c'est petit Willy, quoi. Petit Willy. En fait, c'est lui. Quelle apparence il avait, petit Willy? Il avait l'apparence d'un moine. Déjà. Ouais. Tu vois, on n'avait pas un squelette devant nous, on avait un moine qui était dans sa foi, dans sa religion. Et donc il est venu nous parler de ce qu'il vivait, lui, de sa vie de moine un peu au monastère. Donc on a discuté comme ça, je pense ça a duré une demi-heure, tu vois. Et il nous a invités à l'époque, il vivait déjà dans un temple. Et si tu veux, moi les enseignements que j'ai entendus durant la première cérémonie auquel j'ai assisté, tout de suite, ça m'a... Ça vous a parlé? Ouais, ça m'a parlé, quoi. Parce que ça faisait, en fait, depuis... Bah, quand j'ai découvert le punk rock, en fait, à 14 ans, en même temps, j'ai commencé à avoir une démarche spirituelle. On me posait des questions existentielles. J'ai été vachement branché par Jésus. Tu vois, pas spécialement par la religion chrétienne, mais par le personnage de Jésus, ce qu'il incarnait, sa vie. Donc je m'étais bien... J'avais lu beaucoup de bouquins sur sa vie et tout. Et je trouvais que, pour moi, Jésus, c'était un rebelle, quoi. C'était le premier rebelle, quoi, tu vois, c'était... Un temps, vous avez vécu comme moine en Inde. J'ai vécu quelques années, ouais, en Inde, en France. Ça a changé nos vies, tu vois, ça a changé notre vision. On a vu quelque chose de véritablement universel, où tout le monde était, où il n'y avait pas de discrimination. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers des gens qui sont complètement différents de moi, pas de rester juste dans mon petit microcosme avec des mecs qui sont tous pareils que moi. C'est pas ça qui est... Mm-hmm. Non, c'est de rencontrer... des gens avec qui peut-être j'aurais ne serait-ce même pas l'occasion d'échanger des mots. Mais c'est là où tu vois, ça devient intéressant. Donc t'as vraiment. Tu t'enrichis de la culture de l'autre. À votre avis, son passé, et toute cette violence et tout ce qu'il a laissé derrière lui, ça a eu une importance vraiment majeure dans ce qu'il est devenu? Ouais, j'en suis sûr. Parce que regarde, comment tu veux pouvoir parler d'une chose si tu ne l'as pas vécu? Mmh. Tu peux en parler en documentant, en lisant des livres, pas de problème. Mais ça va rester une connaissance théorique. En plus, quand t'es dans cette démarche de repenti et d'aller aider d'autres repentis, d'aider des gens dans cette optique-là, tu seras crédible que si t'as véritablement vécu le truc,
tu t'es vraiment immergé dedans. Mmh. Et tu l'as, et tu, c'est là où tu as un véritable impact, parce que tu sais de quoi tu parles. Et tu seras plus à même de comprendre celui qui a vécu la même chose que toi. Et les gens voilà, qui peuvent nous côtoyer et qui viennent de milieux aussi très durs, ils le voient, ça, tu vois. C'est quelque chose qui est aussi tangible pour eux, quoi. De retour en France, William a dû entreprendre 7 ans de démarches pour que l'État finisse par reconnaître officiellement le vaïchnavisme comme religion, au même titre que le catholicisme, l'islam ou le judaïsme. Si son engagement spirituel s'est affirmé de plus en plus, William ne renie pas pour autant ses passions comme la moto ou la musique. Il continue de fréquenter des squats, des concerts rock, et se sert de son histoire pour faire passer son message de paix. Alors, mon petit mot, il est simple, je vous aime. Dans les années 80, William faisait partie d'un groupe rock skinhead qui avait une réputation européenne, les Evil Skin. Aujourd'hui, il n'a pas abandonné la musique, qui est toujours aussi énergique. Au final, seul le discours a changé. On a choisi la non-violence et la louée à tout azimut. Ah, une seule non-violence errante. Le droit de vivre. Je me rappellerai d'un concert qu'on avait fait sur une péniche comme ça. C'était le premier concert qu'on faisait. Alors il y a beaucoup de skinheads, tout ça, qui sont venus, tu vois, pour me revoir sur scène, etc. Et moi, l'introduction, j'ai chanté un chant indien, tu vois, comme ça. Et j'ai vu vraiment 50% de la salle qui est sortie, quoi. Déception. C'était trop pour eux. C'était trop pour eux. C'était trop pour eux. Mais les 50% qui sont restés, ils ont vraiment adoré, quoi. Ils ont adoré le message. Et ça, c'était la première expérience. Bon, maintenant, dans les endroits où on joue, etc., les gens maintenant ont appris à nous connaître, etc. Ouais, il y a un grand respect, quoi. Donc, on n'est pas que là-dedans. Mais le point, c'est d'engager le rock'n'roll, d'engager la moto. C'est comme une prévention. Ça veut dire que tu peux être avec du rock'n'roll, tu peux avec une moto en allant vers l'amour. Et ça, c'est exceptionnel. Tout en ayant un look aussi. Tout en ayant un look. Ça veut dire que tu dégages ta passion, quoi. Et ça, c'est génial. On a besoin de ça, toi. Parmi vos invités d'aujourd'hui, il y a 3-4 montagnes qui m'ont serré la main d'une manière très. Et qui faisaient 2 têtes de plus que moi. Et qui m'ont dit nous, ici, on vient se purifier. C'est intéressant. C'est naturel. L'amour, ça délie tout. Ça rend des gens comme des enfants, quoi. En plus du temple, du motoclub et de son groupe rock, William mène également une action solidaire avec une association qu'il a créée il y a plus de 20 ans. Chaque semaine, il prépare et distribue des repas aux plus démunis en collaboration avec le SAMU social de Rouen. Oh, là, t'auras un petit dessert aussi si tu veux. Là, viens prendre une petite assiette. Ça te va comme ça ? Hein ? Passe une bonne soirée. Grâce à son expérience de la rue, William a une véritable proximité avec ceux à qui il propose son aide. Ces gens qui sont dans la rue, comme vous l'avez été, hein, ouais. Ça vous arrive de livrer votre message à ces personnes aussi, de parler de tout ça avec elles ? Bon, après, la chose, c'est qu'on respecte l'intimité des gens. S'il y a un besoin, s'il y a une demande, on est là, bien sûr. Mais notre cœur, bah, l'amour, on le distribue à travers une assiette, quoi. Ouais. C'est ça le principe, quoi. Ouais. C'est des fois, il faut pas grand-chose pour faire un pas. Et puis, si tu le fais vraiment avec conviction et avec sincérité, bah, les gens, ils t'ouvrent un peu plus leur cœur. Et puis, ça leur permet de sortir de leur isolement, quoi, tu sais. Ils savent aussi qu'on a tous un petit passé, quoi, ou un gros passé, et qu'on les prend pas de haut, quoi. Finalement, c'est comme un repentir, ces actions positives. On sent qu'on est racheté à force. Et on se dépossède complètement de la haine, quoi. Le repentir, justement. William multiplie les actions, toujours à l'écoute des autres. Malgré cela, il reste une culpabilité chez cet homme qui a fait tant de mal et qui m'a avoué avoir demandé pardon à Dieu aussi parce qu'il n'a pas pu le faire face à ses victimes. Je me demande si 20 ans après son passé de skinhead ultra-violent, William arrive enfin à être en paix avec lui-même. Vous êtes encore en quête de rédemption aujourd'hui ? Bien sûr. La rédemption, ça te fait prendre conscience que ce monde,
c'est un monde de guerre. Et que tu as participé à cette destruction. Et quand tu te repens, naturellement, tu apprécies tellement les gens. Tu voudrais tellement que ce monde soit meilleur. Si tu peux percevoir en toi des choses à changer, ça veut dire que tu peux te perfectionner. Et je me rappelle, par exemple, j'ai un ancien skinhead qui est venu me voir il n'y a pas longtemps, qui faisait partie de la bande, et lui, c'est quelqu'un de vraiment traumatisé par le passé. On a tellement frappé des gens qu'il est traumatisé. Et ben, il est venu me voir, il pleurait dans mes bras, quoi. Et naturellement, je pleurais avec lui. Ça veut dire que ben, j'ai profité de sa rédemption pour aussi demander pardon, de peut-être l'avoir entraîné, ou de s'être entraîné ensemble dans cette destruction, et lui faire comprendre qu'on pouvait changer. Vous en êtes la preuve, que l'on peut changer. Mais vous est-il arrivé d'être en tête-à-tête avec l'une de vos victimes et de devoir demander pardon les yeux dans les yeux? Oui, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé de demander pardon à des Juifs, par exemple. Parce que comme j'avais eu des insignes néo-nazis sur moi, pour moi, c'est des victimes. J'ai demandé personnellement pardon à des Juifs avec des larmes dans les yeux, vraiment, pour me faire pardonner, tu vois. Malgré tout, vous restez encore dans la tête de certains jeunes skinheads une référence. Est-ce que vous recevez parfois des messages de jeunes skinheads qui sont en admiration sur votre passé? Bon, ça m'arrive souvent. Hein. C'est quotidien, quoi. Par exemple, il y en a un qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, c'est un hooligan, alors tu frappes toujours des gens et tout, tu vois. Alors, je lui dis non, ça c'est mon passé, maintenant je suis non violent. Tu vois. Mais c'est pas que je vais lui faire la morale, etc. Je lui donne simplement une chance de trouver un ami. Quelqu'un qui le comprend, pas quelqu'un qui le juge. Alors des fois ça les intéresse, des fois ça les intéresse pas. Quelqu'un qui peut pas changer, il va dire ce gars-là c'est un traître, il faut l'abattre. J'ai eu des menaces de mort aussi. J'ai eu plusieurs menaces de mort. Mais quelqu'un qui a des idées sombres, mais qui respecte des idées belles, ça veut dire que c'est déjà en passe. Le changement est déjà là. En fait, le repentir, il est possible que quand tu arrêtes de chercher du respect pour toi-même. Et quand tu offres le respect aux autres. Tant que tu cherches une position à un renom, tu es obligé de te défendre quand les gens vont t'attaquer. Quand on a fini avec ça, alors tu n'as plus d'ennemis. Et tu peux te repentir. Mmh. Même devant les autres, même devant ton ennemi, tu peux pleurer. Le repentir est une épreuve. À travers le parcours de ces hommes, j'ai pu prendre la mesure de la détermination dont il fallait faire preuve pour entamer une autre vie avec un passé aussi lourd. Plutôt que de tourner le dos à leur histoire, tous ont choisi de s'en servir en espérant éviter à d'autres de faire les mêmes erreurs. Ce besoin de se rendre utile, de donner du sens à ce qu'ils ont vécu, c'est leur manière de se racheter, mais c'est aussi ce qui les rend forts face à un passé qui ne disparaîtra jamais tout à fait.